Today's matchup. Gen G. Hanwha Life Esports. The Fantastic Run. De retour, mesdames, messieurs, sur O Gaming pour la suite de cette LCK, le dernier BO de cette journée qui verra s'affronter les Generation Gaming, KSV, Samsung, l'appelez comme vous le voulez, face aux Hanwha Life Esports qui sont les Rock Tigers. C'est un peu le duel des renames. C'est ça, on est sur du Reborn versus Reborn avec deux équipes qui n'ont pas forcément exactement la même forme. Les Hanwha Life Esports notamment qui ont commencé leur split de manière un petit peu délicate avec une défaite face aux Griffins, ils n'étaient pas ultra convaincants. Maintenant, ce qui s'est passé par contre pour la suite de cette LCK, c'est qu'ils ont tout gagné derrière, notamment une très très belle victoire, c'était contre les Jiner de manière assez sèche, oui. Les Jiner qui ont beaucoup de mal à jouer. Bon, ils ont joué contre Jiner et BQ qui sont actuellement les deux équipes tout en bas du classement de LCK. Mais voilà, on a quand même des Hanwha Life Esports qui pourraient créer quelque chose, notamment avec un Lava on fire, Lava qui s'est hissé à la première place du point MVP, puisqu'il a eu 3 MVP. C'est complètement mérité, hein. Lava, excellent. Et ça a été lui le premier à rejouer Talia, en fait. Mais sur la mid lane, du coup, il avait très très bien joué. En fait, une Talia mid lane, ça n'a plus le même playstyle qu'avant, parce que maintenant c'est jungle, on le rappelle avec Smite et autres. Ça n'a plus exactement le même playstyle. C'est qu'en fait, tu n'as pas cette capacité de hard push et de décalage, mais tu restes très fort en termes de DPS 1v1 et tu as un contrôle de lane qui est ok. En fait, tu peux facilement follow ton adversaire si lui push mieux que toi. Globalement, c'est tout l'intérêt du personnage. C'est que certes, tu n'auras pas forcément la prio pour décaler. On rappelle, le Q-spell fait plus de dégâts de zone, même si ça reste tout à fait ok en clear. Par contre, effectivement, le mur latisseuse existant toujours. Ça reste un des niveaux qui clear quand même le mieux la mid lane malgré tout. Ouais, c'est ça. C'est peut-être moins fort que Karma maintenant, mais c'est plus régulier. Parce que t'as pas besoin d'avoir le timing de R. Et justement, on a les rankings sous les yeux. Donc, c'est Hanwha Life Esports qui ont récupéré 2 victoires et qui sont actuellement à plus 3, 4ème de cette LCK. Les 2 victoires des HLE étaient contre les 2 équipes tout en bas du classement. Par contre, du côté du Generation Gaming, donc on l'a dit, les ex KSV, ex Samsung, actuellement tenant du titre de champion du monde, ils sont ultra chauds, notamment portés par Haru. Ouais, exactement, Haru et Ruler, les deux joueurs en forme de cette line-up. Ruler qui a annoncé à toute la LCK que si vous ne jouez plus d'Alekari actuellement, c'est juste que vous n'êtes pas suffisamment bon pour le faire. Et Ruler l'a prouvé, il a été très très bon sur tous ses carries, quelle que soit la forme qu'elle prenait. Et du côté de Haru, un jungler ultra dominant qui est capable de mettre beaucoup de rythme dans la partie et qui surnage en fait dans une méta où eh bien on met beaucoup de ressources dans la jungle. Il adore ça, Haru. Bah, pouvoir mettre des dégâts avec cette jungler, c'est ce dont il a toujours rêvé. Bah, Haru globalement, c'est pour l'instant 100% win rate. Voilà. La seule défaite des Generation Gaming, ça a été quand Ambition a joué, comme quoi les méta correspondent ou pas. Après, ça pouvait juste être une mauvaise game, certes. En tout cas, ce sont eux qui ont le plus gros win rate pour le moment en Corée. On n'est qu'à la 2ème semaine, mais ils se sont très très bien adaptés à ce playstyle. En fait, enfin, ils sont bien adaptés. Ils jouent leur compo habituel. Exactement. Mais avec un playstyle qui fait pas d'erreur. Du coup, les games où il y a plein de kills, c'est soit en leur faveur, soit il n'y a pas plein de kills. Et à l'écran, on a donc les X-Rock Tigers avec Lava sur la mid lane. Petit Geniki aussi, hein, qui peut créer de très très belles formes, force d'engage. Lorsqu'il a les champions pour le faire, il va falloir se méfier. Des champions comme Durakan par exemple qui peut être bien abusé par les deux joueurs de support. On va voir comment ça va se jouer. HLE qui a quand même besoin d'aller garder cette victoire. Ce serait bien pour eux de récupérer ce 3-1, de limiter un petit peu l'explosion des Generation Gaming pour essayer de se maintenir dans la deuxième partie, la partie haute du tableau de LCK. Ça risque d'être compliqué pour eux, mais c'est complètement jouable. Alors, ouais, Generation Gaming pour l'instant ça reste très fort, et le truc c'est que côté de Generation Gaming, on a déjà battu Kingzone, qui est une grosse équipe. MVP c'est ok en ce moment, ça a battu SKT, ils ont battu SKT qui est un petit peu plus bas de tableau. Là où du côté des Hanwha, la seule équipe qui, je dirais, était à peu près forte, ils ont perdu contre les Griffins. KDA, c'est mal. Voilà, donc évidemment le graphe est dessous, hein, mais voilà, c'est effectivement des Generation Gaming qui sont ultra en forme, juste à l'odeur de leur Kanea, plus de 10 quasiment partout. Ruler à 8.3 et qui pourtant ne démérite pas du tout, et QV qui a toujours été cette espèce de pierre
angulaire en fait de la composition des ex-Samsung. Bah tu vois, c'est le gars sur qui tu peux compter, il va pas tomber, il va tenir sa lane et parfois il va même faire des moves de génie en fait. Très très bon. Et vu la méta actuelle des tanks. C'est un gros joueur le tank finalement, QV. Et c'est un des domaines de prédilection de la top lane actuellement. On a pas mal de gros tanks, des bruisers aussi font pas mal de dégâts. J'attends de voir d'ailleurs QV sortir, je sais pas, je me rappelle plus s'il a sorti du Aatrox, ce genre de choses. Je suis assez surpris, assez il a fait un GP et du Ryze. Il est très très bon d'ailleurs sur GP. Alors Haru dans la jungle, hein, comme vous voyez, effectivement. Voilà, jungler agressif, on l'avait connu l'année dernière notamment pour son Graves qui était exceptionnellement bon. Quelques Elise et autres Rengar aussi. Mais il n'a fait que progresser évidemment en termes de contrôle de jeu. Ambition avait un jeu très posé, très contrôle, lui beaucoup plus porté sur Invade. Et ça lui réussit extrêmement bien. Sa Camille jungle notamment est plutôt brillante et elle irait de pair avec Spirit et Tarzan justement. Ah, il est chaud, hein. Il a plus de 10 de Kaleat avec tous ses junglers. Le seul qui est un peu en dessous c'est son Rengar. Qui reste quand même un gros champion qui défie le joueur. Et évidemment à la décarry, en tout cas au carry bot lane plutôt. Rouleur contre Sanghyun. Oh les stats ça fait mal. Ouais, y'a pas photo. Hein. Y'a pas photo de Sanghyun qui est un petit peu derrière. Sanghyun qui a plus l'habitude de jouer des carry auto-attaqueurs très longue portée qui sont plus du tout. Enfin qui sont beaucoup plus compliqués d'être sortis maintenant. On pense notamment à son Kog'Maw qui est si réputé. Il aime bien ce genre de choses. Il a un. Relativement bon Varus, même si le roi du Varus reste Ruler qui est en face. Et on a joué beaucoup de choses plutôt à l'écarie, hein, regardez hein, du côté de Ruler. Ah bah. Il assume vraiment Ezreal, Ashe, il n'y a aucun souci, on va jouer juste ce qu'il veut jouer d'habitude. Et il gagne, mais moi j'aime bien, voilà, t'en as parlé tout à l'heure de cette phrase de Ruler, mais on peut jouer carry AD si on est assez bon. Je trouve ça cool, c'est voilà, il s'impose directement, c'est écoutez, on est les champions du monde, on vous montre qu'on peut jouer comme on le souhaite. C'est intéressant en fait, c'est-à-dire que les générations gaming, les drafts un peu surprenantes de la méta actuelle, c'est bien quand ça surprend des équipes qui n'y sont pas préparées. Les générations gaming ont toujours eu un jeu en fait, les Samsung avant, où ils faisaient pas d'erreurs, ils avançaient doucement mais sûrement dans la game, et du coup ils se font pas surprendre par ce genre de draft parce qu'ils font toujours très attention, c'est un jeu très contrôlé. Et finalement bah, ça leur réussit bien, hein, parce qu'en soi t'as presque ça me surprend en fait qu'ils soient aussi performants, une méta aussi changeante, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui s'est, tu l'as dit, qui s'est vraiment fait connaître par leur classicisme d'une certaine manière, leur rigueur en fait dans la manière d'apporter le jeu et de déconstruire l'équipe adverse simplement par des phases, notamment des grosses phases de siège, une macro game ultra contrôlée. C'est plus du tout l'élément qui est mis en avant actuellement, mais je pense que la connaissance profonde du jeu dont disposent les générations de gaming, ne serait-ce qu'en termes de gestion de lane, leur permet de prendre l'avantage. Simplement, au lieu de le prendre à 25 minutes de jeu maintenant, on le prend à 15 minutes. C'est ça, c'est grosse gestion des power spikes. Swain de ban en premier côté de Generation Gaming. On vous rappelle, hein, les pics un petit peu ban en ce moment. Alors peut-être pas Talia cette semaine vu qu'il y a eu quelques petits soucis sur pic qui ne peut pas être joué avec un smite. Mais ça va être Camille, Irelia, Lucianne, Nocturne. Ce sont des bans assez communs maintenant. Ouais, pas mal de choses à retirer. Ça dépend aussi de ce que tu veux faire avec ta draft. C'est vrai que on est vraiment sur une méta où la draft est ultra ultra importante. On va retirer le Nocturne. On peut aussi voir des bans par exemple de support, notamment du Rakan qui peut être retiré selon vraiment ce que tu comptes faire au niveau de ton jeu. Si tu veux mettre tes ressources au niveau de la mid lane, tu veux la mettre au niveau de la bot lane, au niveau du jungler aussi, ça change beaucoup beaucoup d'éléments. On va quand même retirer la Talia qui reste un personnage assez défini. Je vais dire définissant mais ça ne veut rien dire. Voilà, qui définit quand même pas mal la manière dont on aborde le jeu. Ça fait maintenant quelques patchs d'ailleurs de Talia Road. Le Aatrox est ban. Oh, le first pick Darius. Ou Mundo. C'est possible, en effectivement. Soi. On va peut-être aller chercher le gros DPS mêlé sur la top lane. Assez tanky. C'est très drôle de voir Aatrox revenir juste avant sa refonte, quand même. C'est vrai. Mais c'est parce que c'est adapté au match-up du moment. Alors, sachant plus qu'il avait quand même pris quelques buffs. Il avait eu des petits buffs, en effet. Il a pris des buffs, il y a quoi? Il y a deux patchs, trois patchs. Le ban du Taric. Et d'ailleurs... Aatrox qui a été le personnage avec le plus haut win rate pendant une ou deux semaines justement après le patch qu'il a up. Parce que les gens se sont adaptés plus tard, mais ça reste un champion qui est assez marrant. Puis c'est un champion qui à une époque était beaucoup joué par des OTP principalement. Et qui n'était pas forcément un champion très répandu. Donc forcément je pense que les joueurs qui étaient déjà très forts sur le champion au moment où il y a eu les petits ups, ils se sont dit bah, c'est parfait. Ils ont pu abuser du pick et puis les autres joueurs se sont habitués maintenant à le croiser sur le ladder. Alors là lui récupérer du côté des... Génération Gaming, est-ce qu'on irait chercher le Lulu, il est Taric? On connaît, il n'y aura pas le Taric donc non, c'est vrai qu'il y a eu le dernier bas des Danois Life Esports, il n'a pas forcément fait attention. Et la réponse, ce sera du coup un Shen, grosse protection globale sur la carte, sachant qu'on n'a pas de Nocturne pour éviter de. Enfin, pour nous prémunir
d'un air de chaîne. Après, chaîne Olaf, chaîne Rengar. Tout va bien avec le chaîne, sachant que le chaîne est flex, bien sûr. Ne l'oubliez pas, on peut le voir sur la bot lane sans trop de soucis. Et ce sera le Ryze. Bon, Ryze, pareil, hein, multiflex. 3 postes au minimum pour ce pic. On n'en a pas encore vu support et jungle, et je pense que nous n'en verrons pas tout de même. Ce sera très probablement joué par Sanglion, je pense quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas un Kog'Maw qui va pop bientôt pour rouleur? C'est vrai qu'il arrive tôt ce top Kench, il arrive très très tôt. Parce que le Kench Lulu là. Après, il arrive en blind, on a vu à quel point les top Kench pouvaient être pas mal dérangés en fait par les pics comme de la Morgana ou du Thresh par exemple. À l'image de ce que nous a prouvé le PO précédent. Ce sera Aze. Est-ce qu'on prend en counter côté Anwa? Il y a le Lucian qui est toujours disponible. Draven aussi qui marche très très bien face à Ezreal. Ouais. Maintenant on a un Ryze, est-ce qu'on veut le mettre sur la mid lane ou pas? On va aller chercher le Darius, profiter du ban sur le Aatrox. Maintenant, il reste le Mundo disponible. Je pense que les Unreal Life Esports ont intérêt à ban ce Mundo. De manière à pas avoir un Darius qui va finalement se retrouver un petit peu inutile dans la mêlée. Il nous reste quoi? Parce que là on a potentiellement la duo lane Shen Ryze. Le Darius qui devrait être top, enfin sachant qu'il n'y a pas de counter direct. Après on peut avoir un Jace, hein, peut-être du côté de QV, c'est pas dans son cœur de jeu, mais ça a été pas mal joué par Sword tout à l'heure dans le premier go de la journée. Ban de Mundo Tech comme tu l'avais senti. Ouais, le Mundo, après on peut aller chercher quoi? On peut aller chercher du Horn qui est un matchup assez pas forcément favorable mais correct contre le Darius. C'est juste des bruits quoi Horn. Je pense qu'il peut aller créer de l'engage peut-être, qui peut du coup générer la frontline dont pourraient avoir besoin les Generation Gaming. Après je me demande s'ils ont pas un petit manque de dégâts avec un Horn. Ou alors il faut un midlaner qui soit très fort. Peut-être. Ah non, mais non, c'est Lulu mid lane. Du coup, un jungler qui soit assez fort. Parce que là, t'auras les dégâts de rouleur, certes. Mais Lulu mid, à moins qu'elle joue AP, ça a quand même un DPS assez restreint. Le Tahm Kench, n'en parlons pas. J'aime bien ce ban des Alwa Life Esports. Le Kennen qui aurait pu être effectivement très dérangeant pour Solarius. Et qui, pour le coup, aurait pallié au manque de dégâts de la composition des Generation Gaming pour le moment. Est-ce qu'on peut aller chercher autre chose, peut-être? Et là, il nous joue une Kayle top. Et on commence à ban la Irelia. Le but étant de protéger la mid lane au maximum. Je pense que c'est compliqué pour les Hanwha d'aller chercher le Karthus Nunu. Par contre, non, parce que le Karthus Smite est ban, autant pour moi. De contre une Lulu, c'est toujours un peu délicat. Même si le fait de restreindre en fait, les choix au niveau de la mid lane, ça peut peut-être diriger un petit peu. Et ce sera du Olaf. Si on parlait, le combo Shen Olaf, très très fort. Olaf qui va pouvoir plonger dans la mêlée, mettre des slows partout pour permettre au Darius de commencer à DPS tranquillement. Il faudra juste se prémunir d'un Ezreal qui pourrait totalement partir sur un Gauntlet vivant, histoire de kite au maximum. Une composition en loi qui pour le moment est quand même assez sensible au slow. En tout cas hors des timings de R du Olaf. Alors là on a des dégâts supplémentaires. Il y a le GP, c'est ok, donc il y a pas mal de dégâts physiques. Ça manque un petit peu de dégâts magiques, sauf si Fly sur la Lulu part un petit peu AP, le Rengar de la jungle pour Haru. Ouais, Haru qui va aller chercher un pic qu'il affectionne particulièrement, le Rengar. Du coup beaucoup de dégâts d'un coup qui ont pop dans la composition des Generation Gaming. Maintenant il faut quand même suffisamment de dégâts pour détruire ce Shen, pour détruire ce Darius. Pas forcément la chose la plus évidente à faire, surtout lorsqu'on n'a pas une grosse front lane. Le Tahm Kench a un rôle primordial dans la composition des Generation Gaming. Il faut se prémunir du burst mono cible dont dispose les Unreal Life Esports avec ce Ryze, avec ce Darius. C'est peut-être le Emmerdinger récupéré comme à l'Europe, j'ai envie de dire, du côté des Hanwha Life Esports. Emmerdinger qui pourrait être joué du coup. Alors probablement support quand même. Ouais, ça va être jeu support avec le Olaf dans la jungle. Emmer sur la mid lane, ouais. Bah. Quitte à avoir un matchup qui ne soit pas incroyable hein, au niveau du mid vu que t'es face à une Lulu, tu prends Emmerdinger, pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai ta lane. Et dans les teamfights tout de même, ça peut avoir un impact non négligeable. Plus beaucoup de burst évidemment avec les multi-roquettes améliorées. On a donc côté Generation Gaming une compo qui a quand même beaucoup de dégâts, mais qui est assez squishy, hein. Il faudra être protégé correctement par la Lulu, et j'espère ne pas voir de Lulu avec un stuff full support, ce serait pas très intéressant à mon avis dans cette game. Là où un stuff un petit peu plus AP pour apporter beaucoup à la team, parce qu'en outre, on va augmenter les stats de vitesse de déplacement quand on va aider les alliés. Après pour le coup on est quand même dans une situation où l'air de sensor a du sens du côté des Generation Gaming. Alors dans sensor c'est acceptable. Parce que même un Ezreal en profite, pas forcément autant que notre Anekari, mais quand même ça en profite plutôt pas mal. Un Rengar évidemment adore récupérer un Ardent Sensor, et un GP pourrait complètement en profiter aussi, donc pourquoi pas Ardent Sensor. Je pense quand même qu'on verrait une Lulu contre un Emmerdinger partir rapidement peut-être sur une bannière de commandement, histoire de compenser un petit peu. Pas de bannière tech. Ouais, je comprends que tu ne veuilles pas.
Mais bientôt, 8.12, bientôt Gardeau. Il n'y aura plus de bannière. Bah, j'aime bien le concept de bannière, mais comme on avait parlé l'autre jour sur l'idée d'un consommable quand t'as le Nashor, un truc comme ça, pour vraiment aller faire des sièges très forts, soit, mais c'est vrai que la bannière à tout bout de champ pour gérer les lanes en mode bon bah je joue pas ma lane, je te mets une bannière. Finalement, ils ont mis le Merdinger botlane. C'est pas ouf. Et Ryze ouais. Midlane. C'est le dernier swap ou pas? Faudra vérifier. On va regarder d'ailleurs au niveau des joueurs qui jouent quel personnage. Et c'est bel et bien ce Ryze Midlane, du coup, on n'avait pas forcément suivi le dernier swap. Emmerdinger bot. Et là pour le coup, ça met beaucoup beaucoup de pression. Oh là, pas très coordonné. Alors, je sais pas trop ce qu'ils ont dit, c'était un fighting ou autre chose. En tout cas, le public est chaud pour ce premier match. Generation Gaming, actuellement premier du classement, en tout cas plus haut win rate, hein, sur certes peu de matchs, mais tout de même, face au Hanwha Life Esports, anciennement Rox Tigers. Et on se retrouve avec le Hammer au niveau de la bot lane. Ça va full push, téléportation d'ailleurs. Du côté de Sangyun, on joue avec l'Aerie, donc Aerie Aftershock bot d'un côté, Rush Phasic Predator. Et Rush Phasic sera top lane du côté des Hanwha Life Esports. Là où en face, eh bien on reste sur du très très classique. À noter Klepto, quand même. Electrocute, Aerie et double Klepto d'ailleurs, avec l'optimisation glacée du côté de Core GG. D'ailleurs, elle est dangereuse cette Klepto de la part de QV. Ça reste quand même un match-up assez délicat à gérer. Le Darius peut mettre beaucoup beaucoup de pression, même s'il n'a pas forcément énormément d'Arras. Le moindre grab qui passe, ça peut être très très dangereux, surtout si t'as pas la poignée des mortels. QV qui va devoir être très très prudent de cette top lane. A noter l'amélioration glaciale du côté de Core GG, donc on va vraiment chercher énormément de slow sur ce time Kench. Est-ce qu'il peut en profiter peut-être pour punir le Shen lors de l'arrivée en mêlée? Ça peut être intéressant. Par contre, le gros souci du côté des Generation Gaming, c'est ce Emmerdinger qui va générer un push naturel ultra fort avec un champion qui peut pas vraiment le gérer. Ezreal reste quand même un relativement faible en fait. Oh, le gank niveau 2. Le grand niveau de Tek Tek sur Lindarang. Oh, c'est bien fait ça. C'est très fort les Stalin pour gagner son niveau 2. Ah, il va attendre qu'il chope son niveau 2 quand même. C'est un peu surprenant. Ok, il va. Voilà, avant que le creep meure. Enfer de Lindarang. Le red buff qui va proc. Il y a eu le flash out de la part de Lindarang. On peut flash dans le bouche. Oh, c'est tout quand même. Ce qui passera pas. Est-ce qu'on peut aller chercher plus loin peut-être avec les trucs sur en plus. Il a pas les dégâts. Le Q spell avec le passif, c'est bon. Ça passe pour Kyove qui va prendre ce first blood. Belle intervention de la part de Haru qui vient peut-être de justifier la prise de Kleptomancie pour ce. Gangplank, un Darius qui va devoir utiliser son TP. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un gang de plus du côté de Haru, honnêtement? Carapateur, on peut faire le blue buff ou groupe au choix. Je crois que la lane push en faveur de Lindarang, il va pouvoir être safe sous sa tour. S'il est assez patient, Lindarang, il va pouvoir être safe sous sa tour. Après, QV peut peut-être générer un. Faudrait peut-être bait un Q-spell. Pour QV, je suis pas sûr que Lindarang soit dès la dernière pluie. Voilà, il le mettra pas ce Q-spell dans les sbires, évidemment. Petit avantage aussi, on a récupéré la potion rouge du côté de QV. Forcément, ça change pas mal les choses. Ça fait une bonne lane. Bel avantage jungle évidemment par Songwan qui a le double de 16 de son opposant pour l'instant. On va récupérer le Carapator bot. Il a encore son groupe. C'est loup et on connaît la capacité d'Olaf à faire le premier dragon de la game, niveau 3, niveau 4. Hein. Un dragon qui se finit à 4 minutes. Peanut l'avait énormément fausse plus précédent. Carapator avec le décalage de lava en plus pour rassurer de la vision. Le bot side de carte commence à être contrôlé par des Hanwha Life Esports qui, grâce à ce Emmerdinger, peuvent mettre pas mal de pression. Voilà, on le voit, le poke du Hammer à l'aérie et un rouleur qui va devoir malgré tout farmer son tour. Alors, l'avantage avec Ezreal, c'est que le Q-spell met suffisamment de dégâts pour quand même pouvoir rapidement retirer les tours du Hammer. Ça fait pas mal de cibles. On va essayer de au moins récupérer du cooldown. Ezreal. Aussi des cibles qui peuvent protéger les opposants des Mystic Shots et donc de la Klepto en partie, mais il a l'air plutôt pressé rouleur. Au niveau de la jungle, le back de la part de Sangyun, ça y est, on a récupéré toute la jungle bot side pour lui. C'est free, il a plus qu'à aller maintenant faire son back, repartir top. Krug into Corbin. C'est un Olaf en power farm. Ouais, c'est un Olaf qui va profiter du fait que Haru ayant été faire ce premier gank au niveau de la top lane n'a pas forcément full clear sa jungle. Et du coup on a pu récupérer un petit peu de. Peu d'éléments dans la jungle adverse. Un Olaf qui de toute façon devrait naturellement aller récupérer rapidement son niveau 6 de manière à pouvoir avancer tout droit, notamment pour aller tuer cette Lulu hein, qui pourrait être une cible favorable. Un kill sur Lulu, ça pourrait être des ressources supplémentaires sur un Ryze.
Allez, les dégâts, regardez sa mère. Verdinger, c'est très compliqué à gérer. T'as besoin de ton Rengar. Mais le Rengar, même s'il vient bot, en fait, avec le refuge spirituel du chêne, plus le rejet sombre, c'est pas si simple que ça à gérer. Aussi le stun de Sangyun, donc va falloir utiliser le cri de façon vachement efficace. C'est compliqué ici le job de Haru, du coup il a toujours pas son niveau 6, il y en a un petit peu loin, un petit peu de retard évidemment par rapport à Sangwan. Et on stack la kleptomane aussi du côté de QV, Linaran qui est un peu dans la mélasse. Pour le moment Haru qui contrôle l'espace, le top side de carte est plutôt avantage Generation Gaming, le bot side de carte plutôt avantage HLE. C'est évidemment le rythme donné par les side lanes. Ça devrait pas beaucoup évoluer avant que les junglers arrivent peut-être à un point de stuff critique. On attend notamment le Caulfield du côté de Haru, qui d'ailleurs fait le choix assez intéressant de partir d'abord sur de l'AD et du coup peut-être rush le Caulfield sur d'avoir un peu de CDR avant même de récupérer le smite amélioré. Oh, invade. Sungwan, un niveau de plus tout de même. Et il essaye de faire reset justement le Corban. Haru qui prend pas le dégât, Haru qui va dash in, en plus c'est compliqué. Haru qui reste très longtemps, mais le niveau 6 à part de flash, on peut aller trouver le burst peut-être sur ce Olaf. Ça suffira pas malgré l'ignite. Quoique si, le kill est récupéré par QV qui va trouver l'ultimate. Lava de repartir et les Generation Gaming qui bait complètement les HLE. Oh, oh par contre lava. On s'est pas passé loin. Oh, la potion de lava qui le sauve. Ouais, il manquait peut-être un glitter lance, malheureusement il n'y avait pas le cooldown du côté de Fly. Mais Fly qui fait un énorme travail. Protection sur Haru, kill récupéré sur Sangwan. Last hit par l'ultimate de QV. Et du coup on se retrouve avec un GP 2-0, 10 creeps d'avance et une cryptomancie qui commence à se stack très tranquillement face à un Darius qui finalement peut pas vraiment mettre la pression qu'il souhaiterait. Et non, le fameux gank niveau 2 au niveau de la top lane, hein. Red buff, carapateur, gank niveau 2, c'est tellement frustrant en tant que top laner. Et le problème c'est qu'au niveau 1 en fait, Lindarang, s'il se laisse push, il va se faire poursuivre. Attention ici, l'orage des ombres qui touche. Dévoration de la part de Core GG, on reste safe hein, bien sûr. C'était très propre ce que vient de faire la duel des Generation Gaming. Ruler qui dodge à peu près tout ce qu'il est possible de dodger, puisqu'il ne prend pas la grenade, il évite les deux super tirs des tourelles. Et quand le taunt finit par toucher, dévoration, du coup en fait, cette phase de jeu, on perd aucun point de vie du côté de Ruler. Ça permet de rester en lane. Il va revenir en lane, non, il va back et revenir avec cette épée malgré tout. Il y avait quand même le timing de brillance, plus l'arme d'Adès à récupérer. Ou par contre, cette fois-ci, il n'y a pas beaucoup d'aide à Haru. Fly n'est pas en place, on n'a pas la concentration prodigieuse. Oui, il va essayer de sauter un petit peu par-dessus et gagner du temps maximum. L'Indaro qui va arriver, trop de dégâts proposés par Sangwan. Il était un peu esselé, malheureusement, le joueur de Rengar. Ah, ça manquait juste de quelques secondes pour récupérer l'ultimate de Fly. Je pense qu'avec la conjoncture prodigieuse, par contre, il y avait moyen d'aller trouver beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est possible, effectivement, mais Haru là qui a un retard qui ne fait faire que croître. Sangwan qui profite de Full Invade la jungle topside. Sachant que Haru est toujours en déficit de niveau. Hein. On aura le niveau 7 face à niveau 5 en théorie dans peu de temps. QV sur la top lane qui est très bien, c'est 26 d'avance. On peut pas rêver mieux en fait pour un GP. Il stack free sa klepto. Il a eu très très tôt sa brillance. C'est Byzance pour lui, il a tout de même une stopwatch hein, pour être sûr d'être safe. Les tables ninja sont en poche et il ne craint même plus énormément le Olaf. Ouais, ça touche encore du côté de Ruler entre les sbires. Toujours l'épreuve de Klepto, toujours de la race qui passe sur un Everdinger qui est censé pouvoir dominer. Et Ruler qui se permet même de mettre des transferts arcaniques in. La confiance est totale pour le carry AD des Generation Gaming. Ex-KSV, ex-Samsung. Le rename du coup de la structure. Oh, il attend patiemment. C'est que là il y a un écart incroyable, 21-16 d'avance pour Sangwana jungle. Il fait un très très gros boulot. Et là l'information elle est pas au niveau du blue buff. C'est ça qui a été très bien géré de la part des Hanwha Life Esports. La ward elle est pas au blue buff parce qu'il y a une pink qui a été mise par la Generation Gaming, elle est juste derrière. Du coup on sait pertinemment où est Haru. On fait perdre énormément de temps aux joueurs. Ouais, Haru qui a passé beaucoup de temps au niveau de ses lanes pour essayer de mettre de l'avantage à ses lanes. Ça a plutôt bien fonctionné au niveau de cette top lane. Malheureusement c'est lui qui le paye derrière. Et un Rengar reste quand même un champion assez dépendant finalement de son niveau 6. D'ailleurs ce sera pas Kofi là en premier item, ce sera le Tiamat. Du côté de Haru, j'avais pas forcément fait attention. Pour essayer qu'il de veut... match le power farm de Sangwan. Ouais, je pense qu'il veut rattraper le retard au farm. C'est vrai que ça va vite un Rengar avec un Tiamat avec les resets d'auto-attaque offert par le Q. Il a passé niveau 6 ici, mais quel lane gank. Top, c'est peut-être faisable mais très dangereux quand même en tant que Rengar de... d'essayer d'aller gank un Darius quand t'es pas en avance dans la game. La mid lane serait peut-être la lane la plus simple finalement à gérer. Tandis que t'as la Lulu qui est en backup, t'as un smite sur la Lulu qui est vachement intéressant.
parce que bot, il y a le refuge spirituel et le stand latid, c'est un petit peu compromis. Que si tu ganks la mid lane, en fait, Lava est vraiment menacé. Et en plus de ça, ça va peut-être forcer qui à faire un stand latid mid. Et dans ce cas, au niveau de la bot lane, après, rouleur et corps GG peuvent foquer la tour énormément. Qu'est-ce qui se passe cette bot lane avec le push de rouleur? C'est fou la domination quand même que ce Kayale est capable de mettre en place. Il est face à un match-up ultra compliqué en termes de gestion de lane, en termes de push, tout simplement, et il arrive malgré tout à maintenir la pression, à mettre du poke en permanence et à se retrouver du coup avec 10 CS d'avance face à un Emerdinger qui avait pourtant mis beaucoup de rythme en tout début de partie sur les premiers niveaux. C'est vraiment impressionnant ce qu'il est capable de sortir rouleur et corps GG. Ouais, champion du monde, on ne l'est pas. Et nous le trouvons en tout cas au plus haut niveau ici. On a un Rez qui est en train de stack, il n'est pas dans un temps fort le Rez. Le problème c'est que Haru forcément, dès qu'il a des camps de jungle qui repop, il va en profiter, il se prend déjà 34 CS. Et c'est de pire en pire. Le problème de Haru c'est que le meilleur moyen de s'en sortir ce serait justement de pouvoir trouver des ganks assez intéressants. On a le Rez là qui est pile au milieu de la lane. On avait le timing de repop du red buff du Olaf. On aurait pu peut-être avoir plus ou moins l'information et tenter du move. Alors ça pille, hein. Du côté de Lindarang, on a donné l'information au jungler que la lane va contre-push et du coup on va avoir un Q dans une situation un peu délicate. QV qui, bien évidemment, dans le genre de choses, va aller essayer de contrôler l'espace au maximum. Le timing de Sangwen, finalement, est un peu surprenant. Sachant que la top lane est push, du coup, on aurait un GP qui pourrait potentiellement décaler en premier. Après, il y a eu l'information sur le back de la jungle, de la mid lane, et pas l'information sur le jungler. Haru qui, malheureusement, est reparti chez lui. Ça laisse un héros de la faille à disposition des HLE. Héros de la faille qui pourrait être catastrophique puisque. Jusqu'à présent, les générations gaming ont toujours réussi à contrôler un peu l'élément, limiter en fait le push naturel des HLE. Et si tu perds une tour, bah, tu peux plus du tout assurer déjà du farm pour ton Rengar, ce qui peut être très problématique. Et en plus, tu perds l'avantage que tu as réussi à compenser au niveau du push. Bah, Haru est un petit peu frileux dans cette game suite à ce qui s'est produit dans la jungle, malheureusement pour lui. Mais en même temps, frileux, il peut pas rattraper l'Olaf qui clear au minimum aussi vite que lui et qui a déjà de l'avance. Dans ce moment-là, il faut prendre le. Voilà, c'est un pari que tu prends, c'est est-ce que je fais un gank, si ça passe, j'ai de l'avance. Si ça passe pas, bon, bah, de toute façon, je suis déjà en retard. Je saurais qu'un petit peu plus. Bah, il y a un commandement, évidemment, First qui est en cours pour Fly. Aussi triste que soit mon âme de voir cela. Ouais, bah, c'est pas trop surprenant non plus. Non. Face à un Rise, évidemment, tu as envie de trouver l'espace. Rouleur qui va juste prendre le slow. Aucun souci, on va retirer les tourelles. Avec quelques chiens mystiques, et encore une fois, chaque taunt, c'est dévoration garantie. Lava qui est vu et QV qui va pouvoir continuer à tranquillement mettre la pression sur Lindarang sans aucun souci. Ouais, quelle information est donnée par cette ward? C'est important parce que le décalage aussi de Olaf, il a été donné. Comment va réagir Haru? Peut-être aller pick up au niveau de cette bot lane. Il y a toujours son dragon des montagnes quand même à contrôler. Il va être important du côté des Generation Gaming. Cette domination bot, ils ont bientôt pris la tourelle, Tech. Il reste un quart de HP à cette tourelle. Le matchup est vraiment difficile, le stun qui passera que sur Corn GG, encore une fois, rouleur qui se positionne parfaitement. Et on va devoir back du côté de Sangyul, plus beaucoup de mana. Les points de vie commencent à descendre, on aimerait bien pouvoir acheter les items dont on a besoin. Luden en poche d'ailleurs. Luden qui va quand même peut-être changer un petit peu les choses en termes de force de push. Je ne suis pas sûr que le barrage Terrebron du Ezreal, qui arrivera toutes les 30-40 secondes, pourrait suffire. Ah, finalement il a pas back. Ok, cette vague de sbire à récupérer. Après le timing était bon, on avait une vague de méga sbire. Bannière de commandement mid, c'est fait Tech. Elle est en place effectivement. Face à un séculaire. Récupéré pour là-bas, séculaire relativement safe et relativement tôt aussi dans la partie. Oui, ça lui permet de le stack tranquillement effectivement, le 25 minutes sera pas mal. Du côté de ce Rise, Trinité en poche, évidemment l'héros de la faille placé sur la bot lane. Elle arrive toi aussi à Trinité. On peut essayer pour de compenser un petit peu l'avantage des générations de gaming. Le problème c'est que ce héros de la faille pourra tomber assez rapidement. Regarde le différentiel de gold entre les deux top laners. On a Trinité contre Phage. Rien que ça, tu par contre couleur, qui pourrait se faire agresser peut-être. Ce héros de la faille qui va tomber, on n'arrivera pas à aller prendre la tour, même si on arrive à forcer quelque chose. Rouleur qui ne prendra heureusement pas ce bump. Par contre on peut dive hein, du côté des HLE, entre le Shen et le Olaf. Il y a de quoi faire, faut juste voir si on a suffisamment de DPS. Après ça touche encore la part des rouleurs, on touche derrière, on juke. Rouleur attention par contre, la cage, pas la reine, j'ai le voir au pire des cas.
à Rouen qui tente de rester invisible un petit peu. Fly qui hésite, mid lane, bot lane. On place la bannière et on revient aider les copains sur le bot side de la map. Évidemment, QV pendant ce temps-là qui est toujours en train de stack. Et on pourrait peut-être avoir le premier 4v4 tech, sachant qu'il y a un canon barré de jeu dispo. Le teammate du Ringer, justement, c'est maintenant. Fly qui est là pour assurer des contrôles supplémentaires. On aimerait bien aller chercher quelqu'un d'autre. Une autre cible que qui, dans l'idéal, ça ne sera pas fait. Et du coup, un ultimate entre guillemets gâché pour Haru. Ça permet surtout de défendre cette tour et de limiter la pression au niveau de rouleur. Il prend par contre cette fois-ci ce poke. Mais là, la rotation mid, elle est bonne. Ça va forcer la voice et sa téléportation. Du coup, on aura un TP advantage. Même étant donné que rouleur a la sienne, QV lui aussi. Lara, je dirais vraiment qu'il revient. Là, qui peut bien trouver un petit peu d'Ara sur Lava. C'est facile pour une Ulu. Là, il va forcer la tour. Il veut forcer la tour et c'est la first brick. À l'avantage de Fly, c'est une très belle opération pour les Generation Gaming qui ont contré le push à la botlane à base de héros de la faille tout en récupérant eux les gold pour leur Lulu. Une Lulu qui va du coup peut-être partir sur. En fait, elle peut faire beaucoup de choses finalement cette Lulu de Fly. On peut faire le choix classique de partir support avec pourquoi pas un Soradan qui scale plutôt bien avec la composition des Generation Gaming, ou alors partir sur quelque chose de plus offensif. Un Luden pourrait être intéressant peut-être pour assurer les wave clear. Wait and see. Côté de Fly, moi c'est ce gang plan qui me fait peur parce qu'il est déjà à 2-0 plus la klepto qui est en train de stack. On aura un gang plan qui dès les 20 minutes va être extrêmement fort. Mais en face côté de One Life Esports, on a un petit peu le même problème que la draft précédente des SKT, c'est-à-dire des picks qui s'ils ont de l'avance sont bien, à la fois ils tankent, à la fois ils font des dégâts, mais s'ils ont pas énormément d'avance, eh bien ils font soit l'un soit l'autre et pas les deux. Ouais, de c'est le cas d'un Olaf notamment. Alors l'agression peut-être sur Corjigi, très bon flash de Corjigi qui va avec complètement. Qu'est-ce qu'on peut trouver le kill, peut-être la peau dure qui va permettre de survivre un petit peu, mais pas suffisamment. Sangwen qui prend quand même quelques dégâts, protégé par Lava. Et finalement, on va trouver le kill du côté des HLE. Probablement prendre la tour juste derrière. On a le barrage terriblement quand même pour supprimer. Ouh, et cancel le pack de Sangwen. Heureusement pour le jungler des Hanwha, on n'a pas suffisamment de dégâts pour rouleur. La petite réduction de dégâts du fait que ça passe au travers des creeps. On prend la terre au niveau de la botlane. Pour la Noah Life Esports, on essaye de réduire cet écart de gold. Pendant qu'au top, évidemment, QV il se fait plaisir. Il est en train de bosser Lindarang petit à petit. Ce sont les creeps qui tapent la tour. Et lui, il a rien d'autre à faire que de récupérer des petites pièces d'or sur Lindarang. Et poke sur Lindarang tranquillement, exactement. Le poke, encore une fois, quasiment 6000 de dégâts trouvés en 7 minutes par le Ezreal. C'est 2000 dégâts de plus qu'un Emerdinger qui est censé lui être en train de perma poke. C'est fou quand même, hein, le travail de rouleur. C'est vrai que c'est que de voir la proportion de Q-spell qu'il est capable de toucher. Encore une fois, ça touche. On a même le transfert arcanique qui va toucher le. Ah, par contre, c'est compliqué. Après, est-ce qu'il veut vraiment y aller une Darang? Il est un V4, quoique il y a le Stenlighty tout de même, le backup. Il y a le chaîne en plus, mais rouleur est bien positionné. Du coup, une Darang qui va prendre pas mal de dégâts. Et le go-in de Haru, ce sera un kill récupéré pour Fly. On aurait bien aimé le laisser au Rengar ou Ezreal. Mais bon, c'est quand même une bonne punition prouvée par les générations gaming. C'était un peu précipité, je trouve, comme positionnement, honnêtement. Un petit peu, effectivement, il y a eu le canon de barrière juste sur la mid lane de la part de QV. On l'a pas vu à l'écran, hein, mais on l'a vu crier et lever le bras en l'air pour ça. On récupère une nouvelle tourelle, on essaie d'accroître toujours cet attaqueur de gold. Attention par contre, l'Admiral Life Esports sont prêts à ce fight. Oh, le flash de lava qui est forcé par QV, est-ce qu'on va aller chercher quelque chose peut-être? Oui, avec le tracé des abysses, les dégâts sont suffisants. Rouleur qui va pouvoir récupérer ce kill. Les générations de gaming qui vont se servir dans la jungle adverse. On va récupérer la tour bot lane. On peut récupérer le carapateur, le blue buff, le dragon, tout est à disposition. QV qui va juste prendre du farm. Tant qu'à faire avec un GP, autant accumuler plus de ressources possible. Et cette bannière de commandement qui va en plus va mettre de sérieux dégâts cette tour. Oh, bot lane, oh, ça va tomber très vite ça. Ça c'est une tour qui finit à 3/4 HP. C'est tellement dur, l'efficacité de ces bannières de commandement tellement bien tirée de la part de Fly, par deux fois bien sûr. On récupère la tourelle, lance en soir ardent qui est terminé maintenant pour le mid laner de Generation Gaming. Et QV continue son petit bonhomme de chemin, le Stera qui arrive doucement mais sûrement. De toute façon, on sait qu'on est sur un GP extrêmement fort. Et le S, ça y est, Trinité, Muramana. Mais quasiment 80% de barre à la tour quand même, juste avec une bannière de commandement. Après c'est grâce à un très bon teamfight, une bannière récupérée juste avant. Et ouais, c'était très bien géré. Et justement, ce soir ardent pour Fly. Oh, le pick-up peut-être de la part de Haru. Alors, qu'est-ce qui va plus bénéficier de ce soir ardent? A priori, Haru plutôt quand même. Haru, je pense. Avec son Rengar. Même si, vu la qualité de jeu de rouleur. Après, en soi, ça proc faisait fun hit, donc sur les tonneaux de GP. Sur les Q-spell de Ez. Enfin, les tonneaux de GP avec le pourparler, j'entends.
C'est des champions qui sont peut-être moins dépendants d'attaque speed qu'un Rengar peut-être. Non, c'est Rengar le plus, hein. on est complètement d'accord. Et a priori d'ailleurs c'est lui qui va prendre le plus de shield de la Lulu naturellement, donc c'est pas très très grave. Un shield sur l'un, une croissance prodigieuse sur l'autre. Ah celui-ci peut se faire pas malheureusement rouleur. Elle a quand même du stuff hein. Le carrier des Generation Gaming. Deux items, quasiment deux items ennemis, plus les bots, à 20 minutes de jeu. Et du coup Tech, quelles seraient les portes de sortie d'Anwa Life Esports ici? Ils ont une capacité de siège intéressante, donc je pense que sur un bon teamfight, s'ils arrivent à limiter un petit peu l'impact des Generation Gaming, peut-être à empêcher l'engage de la roue. Sur un bon teamfight, ça peut complètement être joué. On a quand même un Hammerdinger qui est capable de punir ce genre de go-in avec le Shen qui assure bonne protection. Je pense qu'on est capable de trouver les AOE nécessaires. Il faut juste réussir à provoquer en fait les Generation Gaming dans cette situation défavorable pour ensuite pouvoir à nouveau reprendre le rythme de la partie et être l'équipe qui siège, non pas l'équipe assiégée. Ok, du coup, en gros, se regrouper pour fight et pas laisser à roue pouvoir faire gage. Attention, beaucoup de dégâts. Rouleur qui poke depuis tout à l'heure, il poke des Mystic Shots par-ci, des Mystic Shots par-là, jusqu'à l'Arcane Shift final. L'Arcane Shift létal même, qui viendra à bout de qui? Il s'y attendait tellement pas qui. C'est pas un, en fait, c'est pas un Ezreal, c'est un assassin. Et il assassine des tanks, voilà, Rouleur. C'est comme ça que ça joue du côté de Rouleur. Ah, on peut jouer carré AD si on joue assez bien, ok. Ah bah là, c'est pas jouer très bien, là, c'est être parfait. Être plus que parfait même. Et puis il récupère des golds à chaque fois qu'il le poke en plus. C'est ça qui est incroyable, c'est que outre le fait qu'il prenne le kill depuis tout à l'heure, même s'il le tuait pas, il stack des goals, y'a pas de creep, c'est pas grave, tuez mon creep à moi. Déjà la Bauterka là non. Juste le coup, le sabre vicier, et c'est déjà beaucoup. Sur un rouleur ultra en forme. Ah par contre lui ça va être compliqué ça. Ça va être très compliqué pour QV de s'en sortir, et ainsi essayer de mettre quelques dégâts, il y a la sur l'indown, c'est très très bon. Est-ce qu'il peut sortir potentiellement QV, il essaie de rejoindre. Oh c'est l'agression, stop-watch. C'est parfaitement joué. Heureusement qu'on s'en sort, quoi que l'indown, la protection offerte par qui sauve du burn du Rengar. Ça passe à peu de choses évidemment, le flash, coup de langue, lava qui est prêt à partir du refuge spirituel. On tente de se défendre, autant bien que mal à côté de Wall of Esport, qui va succomber sous le coup de QV. Il est resté le passif avec l'Aerie en plus de Fly qui rajoute les derniers petits dégâts nécessaires. Qu'est-ce qu'on joue bien du côté des Generation Gaming, rien à dire. C'est impressionnant. Absolument rien à dire. Smurfing in LCK. C'est pas une perfect game certes, mais 8000 gold d'avance à 22 minutes. Globalement, en étant autant attaqué sur les objectifs avec un tel contrôle de map. Et puis avec des lanes défavorables, ça reste quand même des lanes défavorables. Peut-être pas la mid lane, mais on a vu hein, en jungle, c'est très compliqué de pouvoir réagir parce que le Olaf est plus fort, il farm mieux. Le Darius avait un matchup largement favorable face au GP. Enfin, peut-être pas largement parce que le GP peut se maintenir à distance, mais normalement il devrait dominer. On a vu, il a pris le push. Pareil sur la botlane, c'était push à l'avantage des HLE. Et malgré ça, les Generation Gaming qui trouvent juste l'opportunité, toujours le petit move qui fait la différence. Ils sont ultra impressionnants. Bah, les Anwa Life Esports en fait auraient juste dû laisser leur duo lane en autarcie. De toute façon, c'est un timer en théorie, ça clear. Même si là, ils ont eu du mal face à rouler encore GG. Et limite, top, mais tu vas le dive GP. Je veux dire, le duo top, c'est un GP plus un Rengar. Sauf que si tu dives déjà à top lane, bah le Cannon Barrage, t'en as pas l'intérêt ailleurs, donc t'as pas cette espèce de 4v3 qui peut y avoir bot lane. T'insistes sur le GP, Darius plus Olaf, ça le dive facilement. Quel objectif à faire là? C'est. Ouais. Et pourtant, son Gwen, il y avait un super farm, hein. Il mettait trop de dans la jungle. Fly, le fait dangereux. Fly, le fait trop dangereux. Est-ce qu'il peut sortir peut-être Fly avec le Zonia? Le TP peut-être de QV pour faire la différence. Fly qui va essayer de flash out. Pour sortir dans la bouche directement de Korjiji qui va tenir grâce à la peau dure. C'est parfaitement joué encore une fois comme team fight. Ça suffira pas pour Lindaro qui va tomber. Il n'arrivera pas à trouver le reset malheureusement. Heureusement ce barrage arrière ne touchera pas son Sangwan. Est-ce qu'on peut continuer peut-être derrière? Engage peut-être à la fin de QV. Le top démon qui va toucher. Qui est dans la mêlée. Mais ça ira tout de même pour lui. Pour l'instant là sur le côté, on est en train de mourir du côté de QV. Qui succombe lui aussi au coup de fly. Sangyun qui maintient les joueurs à distance avec quelques roquettes bien senties. Et c'est un 2 pour 2 Tech. Excellent taunt quand même de la part de Ki. Alors certes il tombe derrière mais il force Rouleur à dash out du fight. Et Rouleur qui ne peut plus du tout DPS. Il aurait peut-être mieux fallu du côté de Rouleur changer un petit peu son fusil d'épaule. Temporise comme on peut. Mais Rouleur il va arriver dans le fight et ensuite il va claquer son flash pour arriver devant le Nash histoire de se repositionner. Il y a Lava qui met la pression et là il se repositionne, il peut free DPS. Malheureusement. Le taunt est bon, regardez le taunt. En fait, il force Rouleur à passer derrière le mur. Et du coup, à partir de là, en fait, Rouleur peut plus DPS. C'est fini. Qui a fait son travail?
Ça permet de prendre la vie de QV. Et surtout, ça permet au HLE de s'enfuir. Il était important, je pense, ce pick-up. Maintenant, c'est un teamfight. On en a parlé. Les HLE sont capables de gagner ce genre de teamfight. Est-ce qu'on peut vraiment parler de gagner? Ils ont quand même perdu pas mal de joueurs. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Pendant ça, c'est Ola qui continue de poke. Il faut quand même reprendre un petit peu le rythme de la partie et se mettre à push les lanes. Surtout, c'est important de récupérer les tours. Et ça le Kognashor contre un Rengar. Ça se tente, il n'y a pas de canon barrette du côté de QV pour l'instant. On essaye de mettre la pression. Justement, il y aura quelques tonneaux tout de même. Regardez les dégâts sur loin, encore une fois, Rouleur qui trouve le sniping. Il n'y a plus de smite. Et Aron qui va pouvoir tranquillement aller chercher ce Nashor. Il est offert sur un plateau. Les HLE qui font l'erreur. Et toujours Rouleur impérial sur son Ezreal. Il faut tuer une cible. Ben, c'est facile. J'ai des Mystic Shots auto-guidés. Tenez, stompez-nous s'il vous plaît. Vous avez besoin d'un Nashor, c'est cadeau. C'est la maison qui offre. Oh là 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 là, c'est tellement dur et ça joue bien à côté de Generation Gaming. Pas vraiment d'erreur, on a une bannière de commandement toujours disponible évidemment, et c'est tout avec un Sbire Canon qui arrive. Donc si vraiment on veut pousser les T4, il y a peut-être moyen. Il y a aussi une rotation top qui est déjà préparée par Haru. On veut faire un jeu propre côté de Generation Gaming. Cette wave topside, ils vont pas y aller. J'en suis presque triste, mais on reste safe. Rabadon maintenant du côté de Fly. Berk qui a terminé pour Rouleur, qui fait sa deuxième larme de ADS. Et on a un Storm Raider, Sterak. Si QV met un tonneau, ça va faire tellement mal. Et on a en plus le chronomètre clutch du côté de Rouleur. Y'a pas une trinité qui est en train d'être faite sur Haru? Regardez comme il touche tout. Impressionnant, et forcément on est obligé de get back. Attends, je crois que Haru fait une trinité. Ah bah oui. C'est en cours, Darder, Phage. Soit. Trinité Rengar, pourquoi pas. Après tout, il a l'attaque speed offerte par le... dans son soir ardent. C'est vrai que si en plus on a un proc à l'impact encore plus fort, c'est un champion qui a quand même des cooldowns relativement courts. Non, il a largement de quoi faire proc cette trinité régulière, il n'y a pas de soucis. Narang présent sur le côté, il se montre pas un point flank potentiel. La traversée des abysses de corps GG. Le backup est là, les gars. Vous pouvez y aller. Oh, les dégâts encore là-bas, une fois là-bas. Heureusement que ce tir mystique ne touchera pas. Il y avait une tourelle devant. Ça aurait pu être catastrophique pour Lava. Mais il lui a dit rentre chez toi. C'est toujours Rouleur protégé par cette Lulu. Avec en plus un soir ardent dessus. Ça proc, ça poke. Et ça met les HLE à genoux. Et entre les tonneaux et les Mystic Shots, c'est un Gérapin Noir Life Esport. Le siège est commencé. Sortez les trébuchés, c'est en place, capitaine. Ouais, pour le coup, le trébuchet il est massif. C'est un Bannon. Et ça fait des dégâts énormes sur les tours. Le goût de la part du Daron qui va se faire complètement one shot par Rouleur avant même de pouvoir appuyer sur R. L'ultime est peut-être de ce reste pour disengage, mais c'est le Nexus qui va tomber. C'était la vie ou le Nexus, ils ont choisi le Nexus. Et malheureusement pour eux, c'est la défaite sur League of Legends. Quel travail des Generation Gaming. Ils sont ultra impressionnants de précision, de rigueur, de domination juste. Tout est bon, il n'y a que Haru qui peut-être a eu du mal à trouver sa place dans la game. Sur son hangar, ça n'a pas été incroyable. Mais en soi, le reste de la team était tellement bonne que c'est pas très grave. Il avait un smite quoi. Oui, c'est ça. Ça, il avait un smite, il avait cette force de zoning quand même naturelle de l'ultimate de Rengar qui force l'adversaire à se positionner dans des dispositions pas forcément agréables. Parce que surtout si le Rengar fait le tour, tu forces ta backlane à jouer en plein milieu du pack au lieu de jouer derrière. Et du coup, ça facilite beaucoup le travail de personnages comme évidemment AGP qui adore avoir les adversaires se packer. Ou même, on l'a vu là pour le coup, c'est assez rare, mais c'est montré par Rouleur, cette capacité à sniper la bonne cible toujours au bon moment. Mais Rouleur, c'est incroyable. On avait Left, on avait Bang. Rouleur n'est pas à oublier, bien sûr. Mais bientôt, les Wave Viper font pareil. J'en suis sûr et certain. Jouerait-il que le jeu de Generation Gaming est un jeu propre, léché et efficace? Et ils perdent pas de temps dans la game, en fait. C'est ok, on prend objectif sur objectif. On gagne nos lanes. Ils ont des lanes, en fait, tellement fortes que c'est free pour le reste. T'as une botlane qui gagne en 2v2 avec Estam Kench face à Shen Emerdinger. Je suis très surpris de cette capacité de... Enfin, Rouleur a quand même fait une game exceptionnelle sur son Ezreal. Ah bah il a Rouleur sur le match. Clairement. C'est pour moi. Je suis complètement d'accord avec ce jeu de mots. Même s'il reste peut-être un peu limite en termes de qualité humoristique, c'est pas grave puisque ça définit parfaitement ce qui s'est passé. À l'image du dégât trouvé par le joueur, 25 000 de dégâts trouvés en 27 minutes de jeu. Ça fait quasiment 1000 points de dégâts par minute. Rendez-vous compte en termes de DPM. C'est impressionnant.
les joies des pick à poke quand c'est bien joué. Et j'aimerais beaucoup savoir comment God la stack avec sa kleptomancie aussi. Parce que sur la lane, il arrêtait pas. C'était Mystic Shot sur Mystic Shot dans les dents. Tire, ça rapporte des pièces. C'est brillant le joueur. Excellent, et il nous montre une fois de plus que jouer les AD carry classiques fonctionne très bien dans cette meta. Certes, pas les AD stuff crit, qu'à Saint-Tienne, il y en a bien d'autres acceptables. Ça, il y a d'autres manières de jouer les carry. Et celle-là est pas forcément la moins belle. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, c'est son quatrième aise. Et il a un KDA parfait toujours. Sur quatrième, il est pas mort. Toujours pas mort. Non, mais ok. Ça me paraît acceptable. On va vous laisser sur les replays de cette game et nous retrouver après une courte pause pour la potentielle dernière game de cette matinée de LCK. A tout de suite. Nous sommes de retour pour la suite. Oh, excusez-moi, j'ai une tache d'eau, je viens de boire un peu d'eau. Nous, on se retrouve après cette première victoire des générations gaming tech. Donc 1-0 face au Onwa Life Esports. Et une équipe qui semble hyper, hyper confiante pour l'instant. Rouleur impressionnant. Ouais. QV toujours très juste. Fly est au point, CoreGG est excellent, Haru a peut-être pas eu sa meilleure game depuis le début de la saison, mais il a fait quelques petites erreurs Haru, mais en fait ça a été très largement compensé par la qualité de jeu du reste de l'équipe. C'est vrai que pour le moment du côté des générations gaming, on se demande en fait qui peut les arrêter, tout simplement. Oui, ils sont ultra motivés. On va voir, ils vont avoir quand même des gros matchs qui vont suivre. Là pour le moment ça reste quand même les HLE, c'est une équipe qui était semblé plutôt correct à battre. Bon, c'était les Giner et les BBQ Universe, forcément pas forcément les ouais. équipes les plus les mais plus ils sont bons les Anois, honnêtement quand on regarde leurs individualités, ouais. T'as enfin Lava pour moi est vraiment un des mid les plus prometteurs de Corée. Sangyun au poste d'ADC, c'est quand même un joueur très respecté, enfin ouais. Au poste d'ADC, maintenant au poste de carry bot on va dire, mais voilà, enfin c'était un des ADC les plus respectés de la scène, qui est un super playmaker. Enfin, voilà, l'équipe elle est quand même solide en réalité, mais on le voit pour l'instant, Génération Gaming vraiment au-dessus. Et en plus, les Anoua, c'est vraiment une bonne équipe en teamfight en général. C'est vrai. D'ailleurs, et on est dans une méta très teamfight. Normalement, oui, on est dans une méta où on est capable d'aller chercher des grosses AO, d'aller trouver des forces d'engage avec beaucoup de dégâts qui explosent. À un moment, malheureusement, on est tombé contre un os. Cet os s'appelait Rouleur. Et en fait, il empêchait complètement les teamfights parce qu'il y avait trop de poke avant. Et c'est vrai que ça a posé quelques soucis. Après, on a aussi un pick comme Herberdinger qui est un pick entre guillemets faible en teamfight. C'est un champion qui a beaucoup de mal à setup en fait. Donc, à moins d'être capable de siège et de forcer le teamfight à l'endroit où tu as déjà placé toutes tes tourelles, c'est beaucoup plus compliqué d'être vraiment ultra performant avec Herberdinger. Bah oui, c'est un champion qui est censé mettre de la pression en lane. Et finalement, on a pu constater en lane que Rouleur n'avait pas vraiment l'air d'avoir de problème. On a eu une situation d'outfarm hein, en faveur du carry AD des générations gaming assez rapidement dans le match. Pourtant, Emmer, sur le papier, c'est quand même un champion qui a la capacité de bloquer beaucoup de Mystic Shot oui. grâce à ses tourelles. Donc, normalement, c'est difficile de faire fonctionner la kleptomancie correctement. Et voilà, enfin, malgré l'avantage tout... L'avantage pour Rouleur, c'est qu'il jouait contre un Shen qui est quand même un champion assez sensible. Oui.
assez globalement aussi. C'est vrai qu'on en parlait, j'en parlais notamment avec Twix à la sortie de la game. Mais par exemple, le même match-up avec un Fiddlesticks à la place du Shen, c'est beaucoup plus compliqué pour Ruler de faire ce qu'il a réussi à faire. Mais c'était aussi du coup un affaiblissement entre guillemets de la composition des Hanwha qui ne pouvaient pas avoir notamment ce combo Shen plus Olaf. Qui leur a beaucoup aidé à Draft puisque le Shen était un FXPIC, mais qui en plus pouvait quand même permettre de contrer un petit peu des situations de speed push potentiel ou même d'abuser d'un speed push gagnant si le Darius avait pu aller prendre un avantage qu'il aurait dû d'ailleurs naturellement prendre en 1v1 contre le GP. Ouais, mais les choses ne sont pas passées comme on le voulait. Haru a réussi à mettre quelques gants au niveau de la top lane. Très intelligent d'ailleurs. On a eu ce first blood pris par QV. Sur le niveau 1, en fait, c'est vraiment tout début de la partie. C'était un gank assez intelligent. Alors derrière, il se fait malheureusement catch au niveau de la mid lane. Il se fait catch deux fois. La première fois, ça se passe plutôt bien pour eux. La seconde, un peu plus compliquée parce qu'il n'y a plus l'approche religieuse de la Lulu. Mais bon, on a quand même senti un Roux qui était dédié en fait à ses lanes. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas forcément fait la meilleure game de sa vie. C'est que son rôle était vraiment de donner des ressources à ses lanes plus qu'à lui-même, quoi. C'est un gros ganker de façon générale. Oui. On le voit assez peu farm en fait. Hein. Il a beaucoup de présence. Et bon, Ruler, sans réelle surprise, qui remporte le titre de MVP. Et du coup, qui passe. Est-ce qu'il passe pas premier, Ruler? Il avait pas déjà 3 points. On dirait pas. Ils disent qu'il a que 100. C'est 100. Non, pardon. 100 par match. Du coup, il a jamais été MVP encore. Pourtant, j'ai l'impression qu'il a à chaque fois. Bon, il a à chaque fois très bien joué. Et pas assez pour mériter un MVP. Haru en a eu quelques-uns, il me semble. Mais là, vous voyez, un Ruler avec son Ezreal, impressionnant. Comme tu le disais, Tech, il avait déclaré récemment que si les autres carriadés, enfin si les autres joueurs dans son rôle ne jouaient plus d'ADC, c'est qu'il n'était peut-être pas assez fort. Et quand tu vois ce genre de match venant de sa part, comment lui donner tort? Exactement. T'es obligé de dire amen en fait. Cette capacité à sniper le jungler dans le pit du Nashor où il y a quand même 4 ou 5 joueurs qui sont stackés devant avec un champion qui a quand même que des skill shots mono-cibles, c'est quand même ultra impressionnant. Évidemment, il avait l'avantage donné par la Klepto. On l'a vu, hein, aux alentours de 25 minutes de jeu, les deux utilisateurs de la cryptomancie du côté des Generation Gaming, il y avait 10 500 gold à peu près. Il y avait quelques golds de plus du côté du GP qui avait un kill supplémentaire contre à peine 6-7 000 golds pour leur opposant direct en lane. C'est dire quand même la manière dont on peut snowball grâce à la Klepto et grâce aussi à la grosse domination. Oh. Et d'ailleurs, QV qui va sortir. Pourtant, il a fait une très très bonne game. Ça doit pas être une question de. Ouais, c'est certainement pas une question de performance. Donc, Mong qui rentre et qui va d'ailleurs effectuer son premier match. Du côté LCK, des Générations Gaming. Il n'a jamais joué à LCK. C'est son premier match en LCK, Mong. Et c'est Ruler qui. Non, c'est Ruler. C'est Kurt GG qui s'exprimait récemment dans une interview et l'intervieweur justement lui demandait d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ta ressemblance avec Mong, votre nouveau top laner? Et Kurt GG qui disait bon, il n'a pas de lunettes, mais je suppose que si les gens disent qu'on se ressemble, c'est qu'il doit y avoir un petit truc quand même. Ah, c'est marrant. Donc Mong in. Et oui, cette équipe des Générations Gaming qui a décidé d'étoffer son roster à l'intersaison Tech. Et pour rappel, on est quand même toujours à la recherche d'une vraie performance en LCK pour ce roster qui descend donc des Samsung. Et ça fait quand même. Ils n'ont jamais réussi, ne serait-ce qu'à atteindre une finale de LCK. Alors que depuis 2016, ils sont une équipe quand même assez sérieuse. Hein. Ils ont fait deux finales de championnat du monde d'affilée, une de gagnée l'année passée. Mais voilà, jamais de finale de championnat du monde pour cette line-up. Donc, il faut le dire, Génération Gaming, ex-KSV, ex-Samsung, c'est une équipe qui a semblé performer surtout à l'Inter récemment. Mais nationalement, il faut faire des efforts quand même pour réussir à vraiment remplir le statut de gagnant des championnats du monde selon moi, et étoffer le roster peut être une bonne idée. Ça pourrait être bien effectivement d'aller s'aligner un petit peu sur les opposants, c'est-à-dire ces rosters à base de 10 joueurs qui sont capables du coup d'aligner à remplacer par poste et du coup d'adapter finalement autant la composition d'équipe que la composition des champions. Pendant la draft, ça peut changer beaucoup beaucoup de choses. Ça peut aussi évidemment
à la fois booster les joueurs qui veulent absolument être ne pas être sur le banc et du coup être les meilleurs à leur poste, et en plus pouvoir pallier parfois à des joueurs qui sont soit en baisse de forme, soit dans des situations où ils choquent un petit peu leur match, ils perdent de concentration. Ça peut être de très très gros avantages. Et on va rentrer dans cette draft du coup avec des bans relativement classiques. Ouais, Talia Reynolds-Sol contre Fly, hein, c'est la spéciale contre Fly. Ça reste un spécialiste sur ces deux champions. Et on est reparti pour peut-être le festival de rouleurs. Sur le Ezreal. Rouleur sur Ezreal plus une Zoé du côté de Fly. Le poke va être insupportable. À l'avantage des Generation Gaming, il faut trouver de quoi compenser du côté des Hanwha Life Esports. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à prendre directement un Mundo histoire d'assurer de pouvoir absorber le poke? Un Mundo ou un Braum, ça marche aussi plutôt bien. Et du coup, on aura une duo lane classique, j'ai envie de dire, du côté des ex-Rox Tigers. A fini le petit jeu avec le Emerdinger. Emerdinger, d'ailleurs, c'était le premier sorti en LCK. LCK, oui. Sur ce Summer Split. En Europe, on en a vu beaucoup disputer. Mais en Corée, c'était le tout premier. D'ailleurs, c'est un des plus gros exemples vraiment de différence entre les deux régions au niveau des pics. C'est vrai. Le Fiddlesticks aussi, qui est beaucoup moins disputé en Europe qu'il l'est en Corée. En tout cas, c'était le cas la semaine dernière. Beaucoup moins de Fiddlesticks, d'ailleurs, cette semaine. On a eu quand même quelques Fiddlesticks en Europe avec des Emmer justement. Souvent ce Fiddle Emmer, mais il n'est pas forcément joué. En support un peu bizarre, c'est les NA qui ont Brand. Et Brand, c'est assez étonnant même qu'on le voit pas ailleurs finalement. Parce que après, bon, à la sortie du patch en solo queue à niveau assez haut niveau, on voyait énormément de First Pick Zyra, First Pick Brand en fait, qui étaient des champions qui avaient beaucoup de dégâts naturels. Ouais. C'est pas du tout quelque chose qui est joué à niveau compétitif. Pas trop maintenant. Honnêtement, ce patch n'a pas tout révélé, et sachant que le 8.12 met un peu en retrait les champions qui ont des capacités de shield, on aura sans doute encore d'autres champions qui sortiront plus régulièrement. D'ailleurs, c'est les shields ciblés, oui, qui sont mis un petit peu en retrait, c'est-à-dire que par exemple la Frontlace du Horde sera toujours aussi forte. Oui, complètement. Oui. Complètement. Donc Jax qui a été pick en dernier côté Génération Gaming. Probablement dans la jungle pour Haru. C'est vrai que c'est un pick qui lui ressemble quand même pas mal. Et l'avantage du côté de Gorgi, c'est de trouver Gross Engage sous le nom de ce Rakan. Rakan qui, si je ne me trompe pas, le champion le plus joué par le support des Génération Gaming. Non, pardon, c'est le Tab Gage. Autant pour moi. Il a joué qu'une seule fois. Je confonds. Et ouais, Rakan qui va permettre de mettre pas mal d'engage, et c'est plutôt bien d'aller chercher de l'engage, notamment contre une lane à base de Kai'Sa. Kai'Sa qui est quand même un champion qui a besoin d'items pour se mettre en place. Alors oui, la Gizu est un très bon item en premier achat. Il y a quand même quelques difficultés derrière. Kai'Sa serait assez surprenant. Ah, la super Kai'Sa. Ah, peut-être. Kai'Sa mid. Avec Tarik Bro, je sais pas si on va laisser passer un côté Génération Gaming avec une duo lane aussi playmaker que Ezreal Rakan. Alors du coup, on est très curieux, mais ça ressemble vraiment à une super Kai'Sa de la part des Hanwha Life. Bah, c'est vrai que 3 supports plus un hyper carry, ça vend du rêve. La question, c'est qui a. Ouais, donc du coup, ce serait Kai'Sa Brom qui rom ensemble. Et du coup, t'as Lulu Morgana bot. Bon, si, Lulu Morgana, c'est difficile à agresser quand même. Et Stinch top. La Kai'Sa. La Kai'Sa. Lulu Jungle peut-être du côté de Sangwan. Donc à faire, autant mettre la. Attends, ma tête. Ça va dans tous les sens. Attends, mais du coup, c'est Sangyu qui joue Lulu, mais dans la jungle avec son smite. Et du coup, c'est Sangwan qui a passé au poste a priori de. Alors. Ah, je ne comprends plus. Ouais, non, d'accord, sait... d'accord. Sangyun qui va jouer Kai'Sa. Mais le fond dans exprès, la jungle. Hein. Ouais. Ok. C'est bel et bien Kai'Sa jungle avec beaucoup de support autour d'elle. Ouais. Maintenant, c'est une Kai'Sa qui va devoir lutter contre des champions qui peuvent la déranger, notamment une Zoé qui a une force de push en début de partie qui est quand même plutôt correcte, avec un Graves qui est quand même un gros favori dans la jungle. Il va falloir assurer la prise des camps. C'est pas forcément si évident. En tout cas, voilà, là vous avez un bon exemple de super Kai'Sa, il semblerait, du côté des Hanwha Life. Pour le coup, on met le carry AD sur la Kai'Sa. Ouais. Quitte à lui donner le jungle. Et toute l'histoire dans ce genre de draft, c'est savoir qui prend tel champion,
à quel endroit de la carte tu la signes. Et là, à ce niveau, c'est assez difficile de faire des prédictions. Hein. En fait, ça dépend beaucoup de ce que les équipes ont entraîné, là où les joueurs sont confortables aussi dans ce genre de situation. Qui sont c'est très nouveau quand même sur LoL, ce genre de draft. Il y a une grosse notion d'habitude, notamment au niveau des duel lanes, en fait, pour avoir cette synergie entre deux joueurs. C'est vrai que ça rend les choses plus délicates. Les joueurs qui en jouent évidemment et beaucoup de swaps, ça rend la vie des coachs difficile. Un peu plus synchronisé que la game précédente, les fightings. On est lancé en tout cas à Tech, 1-0 pour Génération Gaming. Haru sur ce pick Graves, un des junglers les plus forts du jeu actuellement. Et donc ce Jax sera pour Mong sa première apparition en LCK, au nouveau top laner remplaçant des Génération Gaming. Et étant donné cette situation assez confortable côté Genji avec le 1-0 et l'équipe qui a semblé archi dominante, on s'est dit, allez, c'est peut-être le moment d'offrir du temps de jeu à Mong. Ça peut être fait. Ça peut être fait, effectivement. Mong qui va récupérer le Jax, du coup. Sur top lane, ça reste quand même une première game pour lui en LCK. Il a joué beaucoup de games de Challenger Series, mais à la base, top niveau, c'est sa première game. Du coup, on le met quand même sur un pick qui a besoin de ressources. Pas forcément le pick le plus simple à jouer. En plus, Jax, ça reste un champion qui a quelques faiblesses en lane, puisque ça n'a aucun moyen d'aller harass à distance, pas de moyen de sustain non plus. Contre un 6, ça peut être assez délicat à gérer. Cette tuerie, du coup, qui sera finalement Lulu plus Morgana. Je pense que tu as raison de parler de cette situation Singe contre Jax. Ça peut devenir insoutenable pour Singe. Pour Jax, pardon. Si le style commence à prendre un peu l'avantage. Non, attention, l'agression directement encore. JJ Rouleur, on en parlait. Lava qui flash out. Lava ou le dernier Mystic Shock qui est couvert par qui? Et directement le duo des Générations Gaming qui met au supplice Lava. Parce que j'avais dit le mid laner, mais non Lava. Ouais, Lava qui jouera au poste de Farmer bot lane. Je pense que c'est le nom le plus approprié. Parce que là, c'est pas vraiment un poste de carry. C'est bel et bien un poste bot laner. Botlaner tout court, la Kai'Sa de Sangyun qui se dirige du côté du bleu. Il faut suivre les déplacements bien sûr de Seongwan et de Sangyun. C'est là-dessus que repose tout le pari des Hanwha Life Esports. Il faut toujours considérer que ces drafts à base d'hypercarry plus support qui font la jungle ensemble, ça donne une situation dans laquelle l'équipe qui pratique cette draft n'a pas de jungler à disposition pour ses autres lanes. Et donc, c'est aux adversaires et donc aux Générations Gaming sur cette rencontre de forcer les agressions avec Haru, puisqu'ils ont quasiment toujours une supériorité numérique dont ils pourront profiter. Ouais, on peut se chercher l'engage avec Arakan, on l'a vu, ça s'est déjà passé plutôt bien la première fois. Le push qui est pris à l'avantage des Générations Gaming. Évidemment, ça libère quand même beaucoup d'espace pour Mong, typiquement avec son Jax, même si c'est vrai que Singe reste un champion relativement indépendant sur la top lane. Un Jax qui peut se permettre de se dire, je peux aller chercher ce Singe en permanence et je sais que je ne serai pas vraiment dérangé par le jungler adverse. Ça facilite beaucoup sa manière d'approcher le jeu. Et pour le moment, il y a quand même pas mal de farm récupéré quand même par Sangyun. Évidemment, avec un Broom, ça va beaucoup plus vite. On notera quand même Haru qui est parti du côté de la jungle des Hanwha, qui a pris le camp de Krugs. Là, au niveau du bot, hein, Lava, qui n'a pas le confort. Bon, la Mylène peut être confortable, ou elle peut aussi ne pas l'être par moment, mais c'est sûr que là, face au duo Ruler Core GG, on est mis en danger en permanence. Tout ça pour permettre à Sangyun de briller sur cette Kai'Sa. Et le top, on voyait la situation du farm justement et du push. Lindarang qui avait accumulé une grosse vague et Mong qui doit récupérer beaucoup sous la tour, mais qui pour l'instant tient bien. On voit ses points de vie, sa mana, ses CS, c'est très correct. La protection heureusement proposée par Sangwan. Et ouais, cette top lane pour le moment pas de grosses différences à mettre à l'avantage de Lindarang. Il va lui falloir un petit peu de stuff quand même pour commencer à mettre en place un proxy. Par contre, un proxy peut être très très délicat à gérer pour le Jax. Jax qui est quand même un champion, on l'a dit, qu'il n'y a pas beaucoup de sustain. Et du coup, si tu as commencé à tanker avec des spears pour pas que la tour prenne des dégâts, ça semble plus délicat à mettre en place.
on peut quand même malgré tout punir le Singe, un champion qui peut se faire gank par un jungler, surtout quand on n'a pas son propre jungler qui peut appuyer ailleurs sur la carte et profiter de l'absence de jungler, par exemple sur le bot side. Peut-être qu'il y aura la possibilité d'aller chercher par exemple un sabre vicié pour Mong dans cette situation justement où il prend peut-être beaucoup de haras, aller chercher un item de sustain. On pense toujours un peu au sabre vicié sur Jax. On verra quel sera son choix. En tout cas, il a l'air de bien tenir à lane face à Lindarang pour l'instant. Il va se permettre d'aller prendre un peu de vision. Il va la prendre très très deep d'ailleurs cette vision. Derrière le mur du Gromp. Avec en plus le timing du Carapator qui a respawn au niveau du top side de carte. Ça peut être un timing à récupérer. On rappelle le Carapator qui vaut quasiment un Gromp. C'est un camp supplémentaire dans la jungle en termes de ressources. Ouais. En termes d'XP aussi. Attends, Zoé, je pense que c'est un champion qui peut aider à contester ce genre de composition et de stratégie, notamment parce que sa bulle peut traverser les murs, donc oui. Si l'adversaire... En fait, si tu te coordonnes avec ton jungler pour aller gêner le duo de farmer adverse, je pense que tu peux trouver des situations intéressantes. La coordination. Par contre, côté bot, hein, c'est bien sûr pour Lava et qui... On a compliqué, le but est de survivre, mais attention, on a une arrivée justement de la part de Haru Tech. Haru qui va prendre cette cage et qui va être stoppé un peu net dans son action. On continue quand même en permanence à push, là-bas qui est mid life. Il peut se faire boss assez rapidement, peut-être avec son niveau 4. Bon, qui se fait zoner, voilà, ça commence le proxy du Singe. Et il fait le choix du phage finalement, donc pas de sabre vicié. C'est vrai que Boterka, surtout contre un Singe, finalement, Boterka c'est quand même très intéressant. Je crois qu'il naturellement sac beaucoup de points de vie grâce au passif. En plus, c'est plus le même passif. C'est vrai qu'il a changé. Pas pour moi. Non, c'est l'aspiration quand t'es à proximité d'alliés ou d'adversaires. C'est vrai qu'on a toujours ce réflexe. Penser à cet ancien passif qui donnait des points de vie en fonction de ton montant de mana. Lindarang qui pourrait être délogé peut-être par Fly. Fly directement une bulle, c'est intéressant ce qui est en train de se passer. Si on tue du côté des Générations Gaming, on le fait. First Blood pour Mong qui était sous pression sur cette top lane, mais bon décalage de la part de Fly. Fly dont je dirais une des meilleures caractéristiques a toujours été d'être un joueur qui décalait très bien. C'est un très très gros roamer Fly effectivement. C'est d'ailleurs ce qui l'a rendu aussi dangereux en LCK. C'est pour ça qu'il se fait ban son Reliance et sa Talion simplement. Un champion qui sait se rendre disponible pour son équipe. Et ça se prouve encore une fois. Surtout qu'il avait parfaitement géré la phase de push. Il avait créé, en fait, généré une énorme vague de sbires de manière à limiter la capacité de Sanghyun de la clear. Et pour l'instant, c'est Haru qui va compenser. Lorsque la vague de sbires reflue vers la tour, Haru est là pour essayer d'empêcher, en fait, la duo jungle, j'ai envie de dire, des HLE, à aller trop facilement, en fait, farm dans la jungle. Ça limite la montée en puissance de cette Kai'Sa. Même s'il est bien, Sanghyun, quasiment 102 farm déjà à 8 minutes de jeu. Et on récupère les buffs, bien entendu. On va tout prendre. Sanghyun qui, de son côté, peut apporter de la vision à son équipe. C'est un des avantages d'avoir un support, bien sûr, au niveau de la mid lane. Et Sanghyun qui fait bien ses transitions. Hein. On laisse pas de farm mid s'échapper. On est présent sur les camps de jungle. Et côté Genji, même s'il y a un gros avantage pour Ruler et pour Core GG, il faut rapidement prendre cette tour tout de même. Je sais pas ce que t'en penses, Tech, mais voilà, plus tu fais bouger les choses et plus tu peux vite regrouper, empêcher ces séquences de farm à répétition, ces cycles de farm plutôt à répétition de la Kai'Sa, plus tu as de chances de venir à bout d'une super Kai'Sa. Il y a plusieurs choses qui se débloquent une fois que tu as récupéré cette tour au niveau de la bot lane. C'est déjà, tu peux swap, tu peux mettre ta botlane au niveau de la midlane du coup pour limiter encore plus les décalages de Sanghyun et de Sanghwan. En plus, tu limites un petit peu le contrôle de carte des HLE et du coup permettre peut-être à Haru de contrôler lui la jungle bot side pour l'équipe red side. Donc ça peut être très très intéressant. Tous ces éléments effectivement qui forcent les Generation Gaming à aller chercher justement cette first brick. Maintenant qu'elle est en place, on va être devant en termes de gold. On va pouvoir mettre un petit peu la duolane où on a envie et du coup peut-être limiter au maximum le farm de Sanghyun, peut-être même limiter la capacité de Lindarang à aller chercher ce genre de proxy. Ouais, Lindarang, le Singe Blue Side, un classique pour aller facilement proxy ce Red Side. Cette lane qui est très ouverte, hein, entre les tours, qui donne beaucoup de possibilités de s'échapper. Et
Le camp de Krugs, qui est en général un des moins sollicités tout de même. Bon, Sang-Yoon, quelle situation? C'est l'horloge tourne autour de cette Kai'Sa. Et l'histoire s'écrit autour de cette Kai'Sa, donc item jungle fini. Le débord en poche avec les berserkers en plus, donc on a quand même pas mal d'attaque speed. Ce qui devrait d'ailleurs lui avoir maxé, je pense, le Z. Il doit avoir la fufu maintenant. Sur le sort, il va falloir commencer à accumuler d'autres. D'autres statistiques. Mais attention, voilà, le moment où Génération Gaming, on en parlait. La première tour est tombée, maintenant voyons voir leur réaction justement dans ces conditions. Comment va-t-on faire? Eh bien, comme tu le disais, Tech, le mieux est souvent d'opposer un grand nombre de joueurs à la Kai'Sa. Donc la duo lane pourrait être positionnée mid. Prennent le push au niveau de la mid lane. Force en fait les HLE à repousser la lane. Roller qui toujours zigzag entre les skillshots adverses. Ça permet de contrôler le dragon des montagnes. Un contrôle important d'ailleurs à récupérer, il faut juste donner un petit peu. Haru qui va se retrouver un petit peu tout seul. Mais c'est sustain. Du côté des Génération Gaming, là on joue vraiment sur le fil. Faut pas laisser 5 DPS, il faut laisser le temps à Haru, voilà, de récupérer son dragon et de pouvoir repartir tranquillement de son côté de la jungle. Ça a été parfaitement réalisé. On ne perd pas de farm. Et on empêche toujours 5 de monter trop facilement en niveau. C'est une Kai'Sa qui se retrouve maintenant avec 3 supports autour de lui. Ouais. 152 farm. On va aller chercher à Ginzu bien sûr pour Sang-Yoon. Et là on va commencer à se déplacer vraiment paquet côté Hanwha Life Esports. Tandis que Lava doit galérer avec son petit niveau 7. Est-ce qu'ils peuvent le contester ce héros de la faille? Pourquoi pas? Après il y a quand même la Kai'Sa est dangereuse. Mais Mong est en place, les niveaux 9, même Haru, niveau que Haru peut-être, Haru peut-être, tandis qu'on a un TP de la part de Lava, justement ce héros de la faille a été récupéré par... C'est pas trop mal fait, le bump sur ce Jax et le kick qui sera malheureusement pas récupéré, Sang-Yoon qui s'en sort, le stun qui passera du coup et Lava qui va pouvoir sortir. Et attention là c'est bon hein, pour les Hanwha Life Esports, Sang-Yoon est toujours là, Sang-Yoon un doublé pour la super Kai'Sa, le duel face à Rouleur et directement l'ulti la part Sang-Yoon qui prendra un triplé, le quadra kill pour cette super Kai'Sa. Et ce n'est peut-être pas fini, les Hanwha Life Esports qui viennent de rec les Generation Gaming autour de ce héros de la faille, super Sang-Yoon sur super Kai'Sa. Quadra kill. Il vient de réussir ce que son équipe attendait de lui. Il se retrouve maintenant avec 6000 gold. On va voir qui récupère le relafail. C'est quand même Mong qui l'a pris. Et trop de dégâts n'arrivera pas à tuer le bron. Mais beaucoup de ressources quand même sur ce support. Mong un peu en solo. Malheureusement, quand GG n'était pas là pour suivre. Et la Génération Gaming peut-être pas si bien organisée que ça dans ce fight. Et Sang-Yoon derrière, une fois que la première vague est passée, qui peut dérouler un très très bon flash de sa part. On va éviter le bump. Là, il y a tellement d'items pour l'aider. Il peut être très tranquille en team fight. Même si, sur le long terme, les Génération Gaming restent quand même devant en termes de gold. Parce que ils ont plus de farm sur plus de joueurs. Et surtout, ils ont récupéré les tours. Ce qui est important, c'est surtout les gold. Disponible sur cette Kai'Sa. Et donc, le héros de la fin, on a la réponse. Ça a été en faveur des Générations Gaming. Haru qui est allé arracher cet objectif. C'est important d'ailleurs de le faire. Hein, parce que après le quadra kill, ça aurait pu être deny ce héros de la faille. Et je pense que les Générations Gaming en ont besoin quand même. Toujours dans la même idée, c'est-à-dire retirer au maximum de contrôle de carte au HLE en passant par le retrait des tours de manière à limiter le farming dans la jungle de Sang-Yoon. Ne pas laisser cette Kai'Sa monter en puissance, malheureusement pour les Generation Gaming. Après ce quadra kill, eh bien, on va arriver très rapidement sur le timing de Ginzu. Mais quasiment Ginzu complété alors qu'on est qu'à 13 minutes de jeu. Il a fait bien, ce quadra. Évidemment, récupérer 1200 gold en l'espace de 30 secondes. Ouais, et on se dirige très vite vers la Ginzu pour Sang-Yoon. Les Hanwha Life Esports qui. Sont en train de réaliser. C'est la première Super Kai'Sa, non, en Corée? En Corée, ouais. Ouais. En Europe, ça a été déjà un peu exploité. C'est l'objectif des Fnatic, ça n'avait pas forcément aussi bien fonctionné. En tout cas, je me semble pas que Caps ait récupéré un quadra kill aussi tôt dans la partie, en tout cas. Non. Bon, tout de même, Génération Gaming qui reste en contrôle dans le match au niveau des golds et des objectifs, hein, puisqu'ils ont aussi récupéré le héros de la faille. Donc logiquement,
il peut avoir une nouvelle tour au niveau du mid. Mais en teamfight, on a pu voir ce que pouvait donner la super Kai'Sa. Et les générations gaming devront vraiment être très solidaires. Et il faudra suivre Monk hein, s'il décide d'y aller. Enfin, vraiment, Monk, CoreJJ, ils doivent combiner ensemble. Après, le problème, c'est qu'en pure teamfight, hein, Génération Gaming, ils n'ont pas vraiment de front lane. Et je pense que concéder un quadra comme ça, c'était quand même pas prévu. On se passe effectivement, ça faisait partie du plan de jeu. Même si on mettait des ressources à la Kai'Sa, je pense que ça faisait partie de l'idée. Tant de kill, ça semblait compliqué. Ouais, c'est par contre, qu'il faut pas mal de dégâts quand même. Heureusement, on peut s'en sortir. Les dégâts restent quand même très très bons sur un Sangyun qui a complété la Ginzu maintenant. Vraiment, ça va être sacrément menaçant. Par contre, du côté de Fly, on trouve de très bonnes phases de poke. Forcément, sur une Lulu qui a pas grand chose. Un soir Adam, et puis c'est tout. Tu mets deux arrows pour essayer de wave clear, ça passera malheureusement pas. On a le Braum devant. Ce Braum qui va poser beaucoup de problèmes aux Graves. Quand on continue d'avancer hein, du côté des tours, ça y a aucun souci. 3-0. À l'avantage de Generation Gaming. Ouais, là ils progressent, c'est clair. Au niveau des goals, ils sont devant. Maintenant, on a tous été quand même largement refroidis par le quadruplé de Sangyun. Donc je pense que maintenant, il faut attendre. Parce que le truc, c'est qu'encore une fois, si on parle de pure teamfight, les Générations Gaming n'ont pas de frontlaner qui est capable d'assurer finalement le coup, qui peut encaisser une partie de ce que fait la Kai'Sa. C'est le Jax ou personne, entre guillemets. Là, Jax, il est quand même sur Trinité. CoreJJ, on le sait, le Rakan n'est pas le support le plus tanky naturellement. Il a des contrôles, mais le problème c'est que le temps que les contrôles de Rakan passent, Sangyun ne trouvera pas. C'est impossible de le burst à travers le mur du Braum, à travers l'ultimate de la Lulu, à travers le Black Shield. T'as de la trop Bandana. De trucs, ouais. Du coup, je suis assez d'accord, il va falloir passer outre. Et qui peut rester en vie suffisamment longtemps du côté de Generation Gaming pour essayer d'aller déranger cette Kai'Sa? J'ai l'impression que la réponse est personne. Est-ce que Ruler est capable encore une fois de sauver ses mates en faisant une partie de génie? Parce que s'il peut arriver à pick up les supports un par un, par contre là ça fait beaucoup de choses. À l'image de ce que fait Fly sur ce bro, malheureusement ce sera au prix d'un dragon des montagnes. Et du coup un potentiel burst sur le Nashor notamment peut être très dangereux. Kai'Sa a quand même cette capacité à détruire des monstres avec beaucoup de points de vie très rapidement. Et bon, ils sont là les Générations Gaming, hein, ils ont des golds. Mais est-ce que tout ça sera suffisant lorsque viendra de nouveau l'épreuve de la Kai'Sa? Surtout que c'est... Ils ont un... En fait, ils n'ont pas vraiment le choix que de passer par cette étape un peu teamfight. Parce qu'en split, Jax aura du mal à vraiment déborder un Singe. Malheureusement, oui. Donc, je dirais que, honnêtement, le split n'est pas vraiment une bonne option pour Genji, vu la draft et vu ce pick Singe. Donc t'es quasiment obligé de passer. Après ils ont un excellent siège et ils peuvent peut-être forcer les Hanwha Life à compter ses objectifs et le dancing peut-être en leur faveur. Attention, oh là, il est pris dans la trappe mouche et le flink finalement de la part de Linda Rang. CoreJJ tombera sur cet engage très simple mais très réussi de la part de Linda Rang. Et directement un utilisateur sans gut qui met d'énormes dégâts. On recule côté Génération Gaming. Ah, il faut se méfier de ce genre de choses, il faut se méfier des flankings du Singe. C'est vrai que Arakan, ça tank entre guillemets grâce à sa mobilité, ça permet de rester safe. Mais dès qu'on est dans la trappe mouche, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça s'est senti malheureusement que le fling de Singe a quand même cet avantage majeur de pouvoir te fling même après un dash. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au grand désarroi, je pense, de CoreJJ. On n'avait pas du tout à se faire avoir. Et ouais. Ah ouais, le Singe qui a lancé sa flaque en sortant du buisson, il n'était pas repéré. Ça a bien fonctionné. Et bon, les goals sont toujours à l'avantage des Genji. Hein. En fait, le problème, c'est que largement. Les goals ne sont que sur un seul joueur du côté de la HLE. C'est pour ça qu'il y en a moins aussi. Donc, c'est plus compliqué de savoir à quel niveau de ressources on est. Surtout qu'il y a quelle beaucoup, est la réalité du rapport de force. Exactement. Surtout qu'il y a beaucoup de champions qui sont très low ressources du côté des HLE. C'est-à-dire la Morgana, la Lulu et le Groom sont efficaces, même sans argent. Ça peut poser quelques soucis à DGMH, Generation Gaming qui peut-être aurait intérêt à abuser peut-être d'un 1-3 hein, éventuellement, parce que c'est vrai que tu peux pas sweep push en 4-1 face à un Siege. Oui. Par contre en 1-3 avec une Zoé, avec un Jax, t'es capable de prendre des tours très rapidement. Il faut juste pas se faire engage au niveau de rouleur et peut-être trouver du siège potentiellement, sachant que la force d'engage des HLE
reste relativement faible. On a un pick-up grâce à la cache de la Morgana. Sinon, les flanking du siege, et c'est à peu près tout. Complètement, complètement. Maintenant, est-ce que là, est-ce qu'avec un 1-3-1, ils vont arriver à vraiment mettre en difficulté les Hanwha Life Esports? Je m'en d'avoir, pareil. Encore une fois, Zoé, c'est un speed pusher qui est juste décent, je pense. Elle a rien de spécial dans cet exercice. Elle a l'avantage de pouvoir rester face au siege. Parce que le Jax n'a pas forcément l'intérêt à faire. Sang-Yun qui engage directement. Encore JJ qui s'en tire à nez. Non, qui ne s'en tirera pas en fait. On a parlé trop tôt. Par contre, les Mystic Shots de Ruler font extrêmement mal. Sang-Yun. Sang-Yun qui enchaîne. Doublé d'apparition. Sang-Yun. Peut-être un triple kill à venir sur Mong. Mong qui tombe également. Triple kill pour la Kai'Sa de Sang-Yun. Il est peut-être là l'engage JHL finalement. C'est juste projeter Sang-Yun tout droit vers l'avant et abuser du champion. En tout cas, abuser de la protection qui est offerte à ce champion. Ruler qui va faire de son mieux peut-être. Est-ce qu'il peut à nouveau cancel un Asher comme il l'a fait tout à l'heure en réussissant à sniper Sang-Yun? Il touche pas Fly. Il ne touche pas. C'est important qu'il ait touché ce skill shot. Et maintenant, on devrait aller au bout de ce Baron Asher. Côté Hanwha, Life Esports est récupéré. Fly qui tente, Fly qui tombe. La Kai'Sa ne laisse personne échapper à sa domination. Oh, Sang-Yun qui va chercher Ruler. Le flash out, le flash in. Et c'est un penta non officiel, bien sûr, pour Sang-Yun. Mais c'est bien lui qui a fait tomber tous les joueurs adverses. 10 kills pour les Hanwha, Life Esports. 10 kills pour la Kai'Sa de Sang-Yun. Et le pari est complètement gagné là du côté des Extra Strikers. Sang-Yun qui fait complètement la différence. La Kai'Sa 10-0, il arrive 12 000 gold en poche, 4 000 de plus que le Ezreal en face. On n'est pas du tout le même rapport de force que lors de la game précédente. Ça se sent. Haru qui simplement sur des dégâts résiduels entre guillemets va prendre plus de 1000 life. Ça commence à être très très compliqué à gérer. Comment est-ce qu'on peut faire du côté de Generation Gaming maintenant quand la Kai'Sa est capable de faire ça? Tu vas la Black Shield. Morgana Kai'Sa, souvenez-vous, le MSI c'est pas si loin. Ouais. Et pourtant, on temporise bien. Faudrait revoir la draft. Qu'est-ce qu'ils ont supprimé comme champion déjà pour la deuxième? Vladimir et Gangplank, hein. Du côté des les Genji, ils ont supprimé Vladimir Gangplank. Du coup, ils ont laissé tous les supports OP ouverts pour Kai'Sa. La Kai'Sa qui parce que la Morgana elle est piquant. La Morgana était, je crois que c'était le dernier pic. Faudrait revoir la phase de draft. Mais c'est ouais. Pas le dernier pic de la première phase. Faudrait revoir la phase de draft. C'est en tout cas, côté Genji, on devait pas vraiment s'y attendre à cette super Kai'Sa. Non, c'est effectivement qu'on était surpris. En tout cas, c'est sacrément bien joué de la part de Hanwha. Ils étaient bien derrière au niveau des golds, mais juste en étant solidaires autour de la Kai'Sa. Ce qui est complètement le but. Et en ayant un speed push qui ne peut pas vraiment perdre. La Kai'Sa, Sang-Yun qui continue. Sang-Yun qui enchaîne. Sang-Yun, toujours Sang-Yun. Triple kill. Encore une fois. 13-0. Ça va faire bien pour les statistiques pour le coup. Donc Morgana était last pick. Hein. Donc ils ont laissé passer cette Morgana avec la Kai'Sa. Ils s'y attendaient pas à cette super Kai'Sa Tech. Je vois que ça comme explication. Ouais, ils ne s'y attendaient pas. Les Hanwha Life Esports qui égalisent face aux Generations Gaming. 23 minutes de jeu. Qui a dit que Kai'Sa était un champion de late game? Bon, en soi, il est sur late game à 20 minutes. Mais... à 15 minutes même. Mais ouais, grosse performance des HLE qui surprennent complètement les Generations Gaming à la draft. Je suis assez d'accord avec toi. Il faudra peut-être revoir cette draft. Je pense qu'ils s'y attendaient juste pas. Parce que la Kai'Sa elle est pique en première phase, ça c'est sûr. Ouais. Et donc Morgana etc. sont pique en deuxième phase. Juste ils s'y attendaient pas à cette super Kai'Sa. Je vois pas d'autres explications. Ils ont ban Vlad Gangplank, ils étaient dans une optique totalement différente. Ils l'ont pas vu venir. Et bah sale surprise hein, pour les Generations Gaming. Égalisation des Hanwha Life Esports. Et un des problèmes, je pense que vraiment dans tout ça, même s'il y a Super Kai'Sa en face, déjà le Jax a aucune pression sur le Singe, donc c'est un moyen de moins d'aller essayer d'infiltrer la jungle du côté Génération Gaming. Et même s'ils avaient l'avantage bot,
top, il ne l'avait pas du tout. Donc il y avait tout un pan de la jungle qui était gratuit pour la Kai'Sa, à savoir Gromp, Bleu, Loup. Et à côté de ça, je pense que... Je sais pas, c'est toujours pareil. Après, il faut vraiment que le jungler et le mid réussissent à se coordonner pour essayer d'invade un peu plus et faire plus de choses. Que là, Roux, il a eu un peu de présent dans la jungle adverse, surtout bot, pour aider à prendre la T1, mais il a pas vraiment empêché ce duo mid de tourner. En fait, il a pas su supprimer les ressources à cette Kai'Sa, malheureusement, qui trouve 18 000 points de dégâts. Alors, c'est pas très grave, en fait. Toutes les ressources des autres joueurs des Anwar et Sixports, elles sont pas importantes. C'est pas grave le retard au farm tant que la Kai'Sa est devant. Et la Kai'Sa était largement devant. Il a fait quoi? Il a fait deux triple kills, un quadra, deux double kills, quelque chose comme ça. Ouais, il a fini à 13-0. 13-0, il me semble, ou 14-0 comme score final pour Sanghyun. Tant de ressources. Et la super Kai'Sa qui envahit la Corée. C'est assez marrant d'ailleurs sur ce 8.11 de voir des stratégies qui, honnêtement, n'était pas du tout viable avant. C'est-à-dire les stratégies où on met toutes les ressources sur un seul joueur. Je pense qu'il faut réussir à en abuser du côté de l'adversaire, c'est-à-dire réussir à pick-up sur les supports avant, un à un. Est-ce qu'il peut être intéressant pour faire ça? Mais peut-être qu'effectivement, le Rakan n'a pas suffi. Peut-être que ce Graze était peut-être un peu trop faiblard. Il a du farm, c'est vrai, mais il n'a pas cette capacité à lock une cible et à one-shot quelqu'un. Là où un Nocturne peut-être aurait pu faire la différence. Il était ban. Nocturne était ban, il évidemment. Il était ban. Non mais on a bien amené cette draft côté Anwar Life Esport, tandis qu'on revoit certaines des actions. Les France Blood pourtant, enfin les premiers équipes qui étaient à l'avantage des Generation Gaming. Ça c'était pas, mais bon, Lindaran qui s'en foutait. C'est si je base avec Singe, tu as le droit de mourir. C'est un des rares champions où... Je sais pas pourquoi encore GG fait le choix de reculer complètement. Bah c'est Lava qui... Lava, j'ai l'impression, bait tout le monde sur ce fight. Est-ce que c'est justifié? Pas forcément, mais en tout cas il passe en force avec son ulti, il attire tout le monde et du coup tout le monde a laissé Mong. Donc côté Genji, on est... Et on n'a pas fait les bons choix sur cette action et on louera bien sûr la diversion de Lava qui permet derrière Sanghyun de s'installer. Et bon après c'est teamfight facile pour Sanghyun. Bah face, il y a 4 joueurs qui mettent leur souris sur un joueur et qui appuient sur tout le bouton. C'est ça. Et le dernier joueur va juste clic droit sur l'adversaire. Et pourtant le Jax c'était... Je pense que le Jax c'était... plutôt ok, on l'a vu dans les teamfights, il est capable avec la coupe d'attaque de limiter un petit peu l'impact de la Kai'Sa. Ça manquait quelque chose, ça manquait peut-être d'un lock supplémentaire. Quand je dis pas suffisamment tanky, ça a été puni. Et quand ça peut taper, qu'est-ce que ça punit? Qu'est-ce que ça fait mal cette Kai'Sa? Oui, ah oui, c'est très fort. Ça fait donc un partout entre les Anwar Life Esports et les Generation Gaming. On va cesser là bien sûr sur cette grande première de la Super Kai'Sa en Corée. On se retrouve juste après la pause pour la troisième et dernière manche de ce BO3. A tout de suite sur Gaming. On est de retour pour la suite et la fin de ce BO3 entre Genji et les Anwar Life Esports. Genji, donc les générations gaming, ex-KSV, ex-Samsung. C'est l'équipe avec les joueurs champions du monde en titre. Ceux qui ont remporté les Worlds en 2017. Voilà, donc Anwar Life Esports de l'autre côté, les anciens Rocks Tigers. Pour ceux qui n'auraient toujours pas situé. Et on est à 1-1.
Gardoum. Contre toute attente, hein, parce que les Generation Gaming, moi je les voyais tellement chauds sur ce début de split, ils gagnaient tout, ils gagnaient tout. Et ils avaient perdu une seule game face aux Kings of Dragon X, et je m'attendais pas à ce que les Hanois puissent leur prendre une game. Mais voilà, super Kai'Sa, la strat sortie de l'espace, qui peut peut-être se contrer avec une compo genre ultra aggro, où tu dépopes la Kai'Sa avant qu'elle ait le temps de pop en teamfight, mais c'est pas simple, hein, franchement, ouais, bah, elle était vachement protégée. Il faut pas que tu perdes le tempo de ton match. C'est vrai que tu dois toujours te dire, ok, d'accord. Il n'y a pas un moment où tu dois te reposer contre une super Kai'Sa. Tu dois toujours te dire, est-ce qu'on peut aller lui piquer son camp de creep là? Est-ce que cette vague mid, on peut la push plus vite? En fait, il faut aller plus vite que le duo mid, si possible. Et il faut aussi avoir d'autres options sur la carte. On a vu que le fait, notamment, que le split push était plutôt en faveur des Hanois avec ce Singe contre Jax, a empêché les générations gaming d'avoir un petit truc supplémentaire qui pouvait faire pencher la balance en leur faveur. Bah, t'as un top laner en moins, là où à la base justement Jax est censé être assez free contre ce genre de pick, mais c'est une strat qui marche une fois, et c'est une strat en fait où certaines équipes, je pense que les Freaks auraient su s'adapter très vite, parce qu'ils ont justement cette facilité, je trouve, à réfléchir plus vite en termes de strat. Ok, ils font ça, on va faire ça pour counter. Là où les générations gaming, ils ont un jeu qui est très bien, très léché, mais très ancré dans un jeu assez classique. Ouais. Et du coup, une strat qui vient les perturber, alors ça va marcher une fois, ça marchera pas une deuxième fois. Donc soit, à mon avis, les Hanois ont une autre stratégie du genre, soit ils vont se faire avoir la prochaine fois. Les Generation Gaming, c'est le genre d'équipe qui est assez structurée, je dirais, pour ne pas laisser passer ça deux fois. Et finalement, si tu balles le Singe, t'as un top laner qui est free et qui peut un peu plus se balader. Par exemple, ça aurait pu changer le cours du match, je pense. Hein. Vraiment, ce pick Singe qui a lock le Jax, qui l'a mis dans une situation où bah, il n'avait rien à faire à part rester sous sa tour et voilà, bah, attendre les vagues de creep. Ce qui du coup a limité son impact sur le match. C'était une première difficile pour Mong. Du coup, c'était sa grande première en LCK à la place de QV. Mong, qui est un tout nouveau joueur de l'effectif Génération Gaming. Et bon, bah, il a joué un match où il n'a pas pu trop jouer. Bah, c'est le problème quand tu es dans ce genre de match-up. C'est aussi bon que tu puisses être. Il y a un moment, ton pic te limite dans tes possibilités stratégiques. Et parfois, ta seule option, c'est d'essayer le move greedy, de te dire « je lâche ma top lane ». Et je vais essayer de faire une TP, je vais aller gank sur une autre lane. Le problème, c'est que si ça passe, t'es un peu le génie de ta team. Si ça fail, bah toi, t'as encore moins de ressources qu'avant et tu laisses le top laner adverse. Non, le truc, c'est free. Au passage, tu peux gank ailleurs, mais encore une fois, si la Kai'Sa tourne toujours à plein régime, voilà. Il faut trouver un moyen vraiment de bloquer les cycles de farm incessants de la Kai'Sa. Et on va. Alors, le MVP du match, bon, j'imagine qu'ils vont mettre Sanghyun, hein. Bon, évidemment, voilà, il est à 14-0, 100% de kill participation. Voilà. Non, mais quand t'as pas de Maître Yi, quand t'as pas de Talia Smite, de Karthus Smite, il y a une Kai'Sa, ça marche bien. Et on ose nous dire, tu vois, que les Karia des classiques, ça ne marche pas. Après, c'est pas classique, Kai'Sa. C'est pas classique, mais en soi, ça reste un fantassin Ça reste un champion tireur à distance, je suis d'accord. Mais il a vraiment une utilisation qui est très spécifique. Les dégâts, c'est énorme ici. Puis, mécaniquement, il a été excellent. Il a fait la différence quand il fallait. Sanghyun, après, il était vraiment mis dans les bonnes conditions. Il a eu les ressources, mais il a su les utiliser exceptionnellement bien, le Fitma. Il se permet de rentrer dans la main. En fait, shield. C'est un peu un Kog'Maw amélioré, parce que le Kog'Maw, c'est une tourelle un peu statique. Là, tout simplement, t'as une espèce de Kog'Maw qui a un burst incroyable, qui a un dashing, qui a un shield, qui peut devenir invisible et se repositionner. C'est un Kog'Maw sous testostérone, finalement. Ces dégâts sont juste incroyables. C'est support de Kai'Sa. J'aime beaucoup, moi, cette méta où tout le monde, tous les joueurs, selon la strat mise en place, peuvent être les génies de la game. Ah bah c'est sûr qu'on a des histoires un peu différentes. Enfin, on a régulièrement des histoires différentes. Étant donné que la méta n'est pas du tout stable et qu'en réalité beaucoup de choses semblent viables. Bah, tout ce qui ah, cette force à t'adapter plus vite. Le comeback. Bon, merci Mong. C'était sympa le Jax. Hein. Au cas où on a besoin d'XP. Voilà. Maintenant, guess who's back. Mais ça, c'est un changement logique, c'est ce qu'aurait dû faire les Sketty. Tu joues pire à une game, il gagne, tu le laisses, ça perd. T'as Faker, tu mets Faker. Mais voilà, côté de Generation Gaming, le management. Après, ouais, j'ai lu. Logique. Ouais, j'ai lu.
J'ai eu des trucs sur l'histoire de SKT où, selon certaines sources, SKT avait envie de laisser Faker se poser après les Asian Games, qu'il n'avait pas eu trop eu de temps. Je sais pas. Mais bon, ça fait quand même un match sacrifié, donc on a le droit d'être sceptique en soi. Mais ouais, du coup, on fait revenir QV, choix logique. On reste avec Haru et Fly, côté Generation Gaming. Haru qui est tellement bon sur ce split. Et Fly, pareil, qui ne démérite pas. Je ne sais pas quand on verra re-rentrer Crown, en tout cas. Mais bon, Fly étant ultra performant, ce serait dommage de le changer. On est parti dans cette troisième et dernière phase de draft. Kai'Sa, first ban, bien sûr. Bon. Le ban du respect, c'est mérité. Y a toujours des compositions avec un hyper carry qui peut farmer. Hein. On a Yi. On a Karthus avec Nunu. Il y a le Karthus. Non, alors Karthus hier avait été interdit avec le Smite. Ah, c'est vrai. Il n'y a pas que Karthus. Il y avait Karthus et Talia. Enfin, il n'y a pas que Talia, il y a Karthus qui fait bug aussi. Ouais, c'est vrai. C'est un peu dommage en fait, parce que du coup, quand tu as une Talia là, tu sais qu'elle est pas flex. C'est pertinemment qu'elle va être sur la mid lane. Alors, Swain, Camille. Bon, il reste encore tout ce qui est Irelia, Nocturne, bien sûr. Et Xinzao d'ailleurs aussi, hein, pareil, qui peut être un pick de choix. On enlève le Aurelion Sol de Fly. Yi toujours open. Toujours open. C'était dans la première game du BO où le. Ah bah non, il est plus open. La génération gaming qui banne deux champions à tendance duo jungle mid. Après, on a déjà vu aussi des Graves plus Bro mid lane. Ouais. Ça se fait. Bon, c'était un Graves qui part deux fois, n'a pas été. Avait beaucoup de ressources, mais n'a pas su être ici. Je trouve ça moins OP quand même. Graves, c'est un peu plus arrêtable, je trouve, que Yi ou Kai'Sa. La Lulu qui est enlevée de la part des Hanwha Life Esport. On a Vladimir qui open. On a Nocturne. Oui, Nocturne qui avait été ban, je crois, au match précédent. Et bah voilà. Pour Haru. Bah, du coup, ils vont quasiment être obligés de pick le Shen, les Hanwha. Pour ne pas le laisser aux générations gaming. Shen, t'auras le Xinzao, mais qui peut attendre un peu. Tu peux faire Shen Vladimir actuellement. Peuf Shen Vlad. Comme ça, t'as deux picks extrêmement forts. Tu prends le Xin en troisième. Pour quand même avoir un jungler efficace dans le méta actuel. En tout cas, vraiment, vous retrouverez moins ce genre de logique de draft en Europe, mais en Corée, voilà. Par rapport au pic nocturne, on commence à bien voir ce qui s'articule autour. Est-ce qu'il sortirait pas le Vlad ? Ce serait dommage de le laisser open, je pense. Quoique, en soi, Rouleur, il joue pas le Vlad. Il semble qu'il l'a pas joué pour le moment, qu'il est resté que sur des AD range classiques, et ce sera un Ryze qui va pop côté Hanwha Life Esport. Bon, Ryze, le multiflex. QV l'a joué par 3 fois déjà. Alors chez les Hanwha Life, c'est de notoriété publique que vraiment Lava considère son Ryze au-dessus de celui de Sanghyun. Donc disons que dans l'exercice, ce serait plutôt Lava qui aurait la priorité. Et si on a un Vlad, il irait plutôt vers Sanghyun. Et on reste sur le S de Rouleur. Ouais, avec ce Tahmkench. Donc pas de quoi vraiment accompagner le Nocturne du côté de la duo lane des Genji. Il va devoir se débrouiller. On a toujours la possibilité de mettre Fly après sur un Galio, plus tard si nécessaire. Ouh, la Irelia. On a quand même 3 picks très très forts dans la méta actuelle côté HLE. C'est vrai qu'Irelia est passé au travers. Tendance à l'oublier, Irelia. Là, il y a tellement de... Du coup, on resterait sur Ryze. Enfin non, c'est toujours pareil. Oh. Impossible d'être sûr à 100% de la place de chacun. Il y a Mundo qui reste disponible aussi. Oui. Oui, Mundo est là. Parce que là, globalement, ils ont du dash in. Ils n'ont pas réellement de gros dégâts de zone pour le moment, les Hanwha Life Esports, ce qui peut leur manquer dans la teamfight. Par contre, ils ont un lock mono-cible qui est assez fort. C'est que ce lock mono-cible est gêné par le Tahmkench. Dans ce cas-là, il faut que tu puisses lock une cible et switch sur une autre rapidement. Trundle. Est-ce qu'il y aurait un ban Xinzao peut-être en dernier pour être Generation Gaming? Xinzao ou Graves, hein, les deux peuvent faire leur affaire. Les deux sont d'excellents junglers.
Graves apporterait un peu de portée au Hanwha Life Esport. Mais Xin Zhao interdirait à Ruler de faire des dégâts pendant un temps grâce à son ulti. Ban de Sind. Toujours ce Mundo de disponible. Et on sait qu'actuellement dans la méta, ça reste un pic plutôt efficace. En prenant le Mundo maintenant, tu t'exposes au Aatrox de QV. Oh, Elise. Ah. Elle a reçu des petits ups récemment, mais... C'est pas sur lui. Non, c'est sur 8.12 où elle prend un. Elle a mis un up de vitesse de déplacement sur 8.12. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle a un peu d'AP, non? Enfin, ou un ratio, ou du dégage. Un petit changement, je crois. Et ouais. On n'est pas sur 8.12, on est sur 8.11. Du coup, Elise, qui est validée côté Hanwha Life. Ah, le Galio, bah. Voilà. Pour Fly, sans doute. On voulait un combo. On cherchait un combo avec son Nocturne depuis tout à l'heure. Galio, c'est très bien. Et oh. Le Mundo. Est-ce que Lucarang oserait aller jouer le Aatrox? C'est un risque que tu prends de jouer le Aatrox sur la top lane, mais d'un autre côté, si à tout hasard tu prends un peu d'avance, ça te permet vraiment d'avoir une lane, tu t'occupes pas du Mundo quoi. C'est ça, t'évite d'avoir un Mundo qui va être ultra fed et qui va te détruire la game. Et on va y préférer le Gangplank. Alors Gangplank, faire gaffe parce que niveau 6, easy dive pour Mundo et Nocturne, c'est easy dive un Gangplank. Ce sera Lock par l'Hanwha Life Esport. Oh, leur risque et péril, hein, mais Nocturne, Mundo et Galio, c'est Gangplank dead. Ou alors Stopwatch. Ouais, Stopwatch une fois. Stopwatch une fois. C'est très très risqué. Bah, après, face au Generation Gaming, est-ce que le risque n'en vaut pas la chandelle? C'est que tu peux tellement focus cette top lane. Sur la bot lane, c'est que Ruler et Core GG avec leur Ez, Tahmkench sont sans souci. Ils gèrent la lane à 2-1, ils n'ont pas vraiment besoin d'aide. Ils ont gagné tout à l'heure, on le rappelle, face à un Emerdinger en plus. Sangyun est cette fois-ci plus sur sa super Kai'Sa. Mais dans la jungle pure et dure, en outre, Haru a comme l'avantage d'avoir un spell shield face à Sangwan. Ça peut poser beaucoup de problèmes à cette Elise. Du coup, match-up pure et dure, Lindarang est censé être free farm top mais peut se faire free dive. Dans la jungle, les gangs de Sangwan seront un peu plus efficaces early game, mais Haru aura l'impact juste après. Et à surtout ce backup du Galio, le Galio mid. Ça perd pas la lane face à Irelia, ça la gagne pas évidemment, mais tu peux potentiellement aller aider n'importe lequel de tes alliés qui sera dans le pétrin. Ouais. Et tu as le combo magique avec le Nocturne. Presse double R. Donc une draft quand même assez offensive du côté des générations gaming. Nocturne, Galio. Cet habillage est un peu particulier. C'est que les skins. Qui coupe les artworks. En tout cas, on a moyen d'aller chercher beaucoup, beaucoup de fights et autres dives du côté des Generation Gaming. Mundo, Tahmkench, Galio, c'est amplement suffisant pour tanker n'importe quel tourelle. On est lancé Hanwha Life Esport contre Generation Gaming, le match décisif entre ces deux équipes. Ouni. C'était Ouni qui était en photo. Ouais. Ah oui. Là, là. On reste fan évidemment du joueur, qui vu comment il performe de toute façon en NA, c'est pas surprenant. Ouni qui est en train de smurf finalement sur l'Amérique du Nord. À tous les postes. À tous les postes, effectivement. Les postes. Bah, quand le joueur est bon. Autant en profiter. Alors, on a une stopwatch disponible du côté de QV, pareil pour Lindarang. Côté de Generation Gaming, les runes, donc bon, point de l'immortel, le létal tempo, aftershock, klepto et optimisation glaciale. Et en face, bon, classique, klepto électrocute. Ouais, mais donc on a bien cette stopwatch au top. Faire jouer le côté safe. Ah bon, il est pas dit que ça sauve vraiment à 100% Lindarang de toute façon. On est parti donc pool. Oh, un pool de la part du duo des Hanwha.
poule de la duo lane et ouf, ça c'est bien anticipé. Ce sera le seul Mystic Shot de rouleur qui sera raté de la game. Peut-être, mais en tout cas Sangyun qui a 100% senti le coup venir sur cette action. Et c'est marrant parce que du coup ils ont préféré Ryze à Vlad au bot, alors que Sangyun, de son propre aveu, se sent plus fort sur Vlad. Ah mais là ils ont ce côté lock mono cible qui reste un peu plus intéressant que tu as sur le Ryze et pas sur Vlad. Sangyun qui est prêt à partir, flash de la part de Sangyun. Quand GG qui a du Tier Ignite, mais ça reste tout à fait bon pareil pour qui plus de flash. Quelle pression rouleur et Core GG au niveau 1 qui font plier Sangyun et qui sont pourtant vraiment vraiment pas des débutants. Incroyable, un rouleur et ouais, encore une fois, ils sortent un niveau. C'est même pas niveau 2, attends, c'est. Oh, quel niveau 2 ? Niveau 1. Sans pression. J'ai l'impression qu'ils savent parfaitement abuser du pick Tahmkench. Non, mais Core GG, il est vraiment trop fort avec Tahmkench pour le coup. Parce que c'est très facilement le meilleur Tahmkench du monde. J'ai l'impression qu'il est. Enfin, il est toujours là où ses coéquipiers l'attendent. Wolf qui avait un bon Tahmkench aussi, mais Core GG. Ouais, Wolf est très bon sur Tahmkench, mais bon. Core GG est le champion du monde et actuellement, il perd quand même bien mieux. Bon, ça se tourne. Haru le sang-froid, on spell shield pas quand on a l'adversaire bougé uniquement, ça se fight comme dans la jungle. On prend la formation du côté de Haru. Il a pas peur, Haru, hein. Tant qu'il a son spell shield et que ce stun ne passe pas, il n'est pas forcément mis en difficulté. Maintenant attention, ça y est, le spell shield, c'est le moment, il met du burst, justement l'arrivée de lava également. Et on perd l'aggro et les points de vie qu'on avait réussi à prendre sur ce Gromb. Haru qui insiste, il veut carrément aller le disputer. On a le déplacement de Fly pour un Gromb. Là, les générations gaming, c'est ça qu'on aurait aimé voir tout à l'heure. Se battre sur chaque creep de la jungle. Ah mais ils en profitent. Après Galio peut jouer avec un peu moins de ressources nécessaires. Et encore il a l'air de rien perdre sur la mid lane. Rouleur, c'est un aise. Ça peut jouer seul sur la bot lane. C'est assez safe pour ça. Ils en profitent, ils en abusent, les Generation Gaming. Toi qui sera top lane, bon bah Lindaron QV. Ça ne devrait pas être le match-up du siècle, si ce n'est quand il y aura des dives du GP. Là pour l'instant Lindaron qui s'installe tranquillement avec ses barils. Et oui, il peut. Normalement, il peut avoir une forme de domination de lane hein, si les choses bougent pas trop. Grâce à ses barils. S'il en a un sous ses pieds, c'est difficile pour le Mundo de venir le chercher sans trop s'exposer. Mundo qui reste quand même fragile en début de partie. C'est quand il y aura la Sunfire où, en théorie, Mundo aura l'avantage du push jusqu'à la Trinité de Lindarang. Mais après, Mundo pourra juste arriver, mettre l'immolation, utiliser la Sunfire, full clear et commencer à essayer d'aller prendre l'information dans la jungle adverse. Sachant que Mundo, vous le savez, hein, c'est un pick ultra efficace. On a qui joue Blue Side. C'est un Mundo qui pourra aller potentiellement chercher les corbins de la Ellie si elle les a pas fait. C'est un camp qui fait aisément. Et au bot, la situation semble s'être stabilisée entre les deux duo lane. Ah, TP top. Alors, quelle est la suite hein, pour être jungler Haru niveau 4. Pour l'instant, c'est Onguan niveau 3. Il y a eu quand même une longue phase de contestation. Certains camps devraient revenir. Haru qui était parti top side de la map. 14-16 d'avance pour Haru quand même. Me semble. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Elise qui a quelques difficultés dans les camps à cibles multiples. Après, Elise, à la base, c'est un pick qui est très efficace en early game pour faire des dives early. On savait que ça marche très bien avec Renekton, des picks du genre. Et du coup, tu dives avec là, qui, là tu peux pas dive réellement le Mundo. Dive un Galio, c'est un petit peu pareil, c'est compliqué. Bot lane, t'as Ez et Tahmkench. Du coup, c'est une Elise où son seul objectif, globalement, ça va être si elle arrive à catch quelqu'un à un moment, on pourrait avoir le Shen en backup et instantanément un canon barrage. Mais j'ai du mal à la trouver ultra efficace, la Elise, par rapport à la draft adverse, en tout cas. Bon, on espère que côté Onwa Life Esport, on abusera de ces situations qu'on peut créer sur la carte, hein, grâce à Gangplank, grâce à Shen. Grâce à l'ulti de Ryze, qui au passage seront aussi compensés par celle des générations gaming, hein, puisque on a Tahmkench, on a Galio, on a Nocturne, on a triple TP côté génération gaming contre triple TP côté Onwa Life Esport. Bref, c'est le genre de match
où on peut se retrouver rapidement avec toute une équipe à un point de la carte alors qu'il n'y avait personne 10 secondes avant Gardoum. Mais on a beaucoup d'ulti-globos maintenant dans cette méta. Ouais, massivement. Les globos qui en général sont bien hein, quand tu joues dans des drafts flexibles. Bah, et puis en plus de ça, vu qu'on voit beaucoup de fights pour les dragons, pour il faut être présent. Sur ta carapateur, il faut pouvoir TP à 5. Et c'est d'ailleurs, je trouve, c'est les au niveau du MSI, les RNG le faisaient super bien. Dès qu'il y a un fight qui commençait quelque part, on les voyait arriver à 5 ultra rapidement. Et j'ai l'impression qu'on a appris des erreurs au niveau de la Corée. Bah là, honnêtement, chaque équipe a... Alors, il y a un défaut chez les Hanwha, il y a un joueur qui ne peut pas rejoindre aussi rapidement la situation, une situation qui deviendrait tendue, c'est la Elise de Sangwan. Mais sinon, sur la carte, tout le monde peut théoriquement rejoindre rapidement un fight. Ça va être explosif, ça va être très sympa hein, de suivre justement ce que vont faire les équipes avec tous ces moyens de déplacement. Oh, quand le first blood va être débloqué, une invade comme de la part de Haru sur ce red buff. Est-ce qu'il aura le temps de le faire avant que Sangwan arrive? Il a 7 secondes à peu près. Il passera pas niveau 6 hein, avec ce red buff, Haru. Attention, Lava, on a une bonne couverture du côté de Fly. Sangwan qui vient prendre l'info, c'est récupéré par Haru. Larsin accompli, il ne reste plus que les Krugs finalement de consolation pour Sangwan. Ça va vite, nocturne de toute façon. Ça va vite, rush Tabinja du côté de QV. Après la mobilité a un double intérêt, hein. Évidemment il y a l'armure que ça apporte face à GP. Et tout ce qui est l'esquive des tonneaux potentiels et autres cocons de la Elise. Voilà, rouleur, contrôlé. Bon, c'est plus difficile de prendre le genre de trade qu'ils ont pris tout à l'heure, hein. Rouleur et Core GG. Face à Sangyun et Ki, qui ont maintenant beaucoup plus de moyens de réponse, bien sûr. Niveau 6 d'ailleurs pour le Shen. Donc la plupart des globos sont débloqués, hein. Il ne manque que celui de Core GG. Mais le seul problème, c'est que autant Core GG peut se déplacer sur la map et laisser Rouleur seul, Rouleur peut se débrouiller, autant l'inverse est moins vrai. C'est-à-dire que si Sangyun se retrouve seul sur la bot lane, il n'a pas autant de range avec un clear simple comme Rouleur, il n'a pas de dash. Et du coup, un Ryze que tu laisses seul, c'est un Ryze qui peut vite mourir. Haru qui enchaîne les bonnes phases de contrôle du carapateur. Il me semble que Sangwan en a eu un seul. Je crois pour l'instant. Spotify les met d'ailleurs au niveau des stats en haut de l'écran. Mais l'OGN, pas encore. Ouais, Haru. On a envie de punir du côté de Sangwan. Ah, on risque d'avoir un duel. Et normalement, il a vu la traînée. Il a le temps. C'est Haru là il a l'info. Ouais, Sangwan, faut burst. L'ulti du Galio également. C'est en faveur des Genji et le raid qui est contrôlé. Oh, le flash stun de la part de Fly, c'est parfaitement enchaîné. Heureusement il y a eu un rappel du côté de Sangwan. Et Sangwan qui survit, c'est suivi avec un ulti du Gangplank de Lindarang, l'ulti du Shen également, comme on l'avait dit. Sans surprise, et regardez Rouleur qui avait gardé ses yeux sur Sangwan. Les Hanwha Life Esports qui partent quand même à la conquête de la jungle des Génération Gaming. Double mort chez Génération Gaming contre un seul chez les Hanwha. Il s'agit de Sangwan. Ils n'ont pas réussi à burst la Elise avant qu'elle puisse utiliser son rappel. La suspension. Tellement compliqué ça. Et évidemment, c'est là Irelia qui est le first blood. Lava. On sait que mécaniquement, le joueur a toujours été très chaud. Alors, c'est un Galio qui part avec Secular First. Bon, du clear, de la PDHP, un petit peu tout le nécessaire, tout le kit du bon match control un peu tanky. Et les Hanwha qui posent des problèmes hein, ces générations gaming. Alors, ça s'est vraiment pas joué à grand chose pour Sangwan. Mais voilà, on voit ce genre de phase de jeu. On voit les enchaînements. Si le Galio arrive. En fait, c'est. C'est toute une question de... est-ce qu'un ulti global va avoir beaucoup d'impact au moment où il est utilisé? Et directement après, si l'adversaire en utilise un qui compense et qui a plus d'impact, et on va jouer vraiment à ce jeu des dominos Gardoum. Qui est le premier ulti qui va rater globo son ulti. Après globo qui tombe, et lequel finit par avoir un gros impact. Et là, c'était plutôt côté en noix, avec notamment l'ulti de Ki avec son chêne. Ouais, parce que Fly finalement son ultimate n'aura touché personne. Ouais. Ça a venu en backup de Haru, il aura fait peur, mais le fait d'avoir risqué le flash in après pour attraper Sangwan, ça a demandé un peu plus de dégâts qu'il n'avait. Du coup ça fait un Ryze qui a un kill.
un kill aussi du côté de l'Irelia et surtout deux assists pour ce Gangplank qui de toute façon il est là pour stack des golds. Et ce Gangplank, je pense que côté Generation Gaming, il ne faudrait pas hésiter à le dive, c'est mais lui à la main. Moi je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point, Gardoum, c'est lui qu'il faut aller chercher. Du côté des Genji, c'est simple normalement. Alors c'est simple, il y a quand même une stopwatch, mais dans l'idée, si on la fait jamais tomber, c'est sûr qu'on n'aura pas les moyens d'y aller. Mais là, les Anois qui mettent de la pression, ceci dit, qui rentrent dans la jungle bot et qui font en sorte que ce Gangplank, on puisse peut-être pas aller le voir en fait. Est-ce qu'ils ont le temps vraiment d'y aller, les Generations Gaming? Pour l'instant, pas tant que ça. Pour l'instant, pas tant que ça. Après, au pire, ils y perdent un dragon de montagne. Est-ce qu'ils peuvent pas se permettre justement de perdre mais dragon des montagnes qu'on stopwatch et pas de kill assuré, tu vois, est-ce que tu veux faire le pari? C'est toujours pareil. C'est pas si simple. Puis aussi, il faut voir que tu fais le déplacement top, mais il faut aussi avoir des choses à farmer si possible. Ah, attention d'ailleurs, la paranoïa ici qui est envoyée, le dragon sera récupéré du côté de Rouleur. On va peut-être prendre un premier kill rapidement à dévoiler sur la part de Corgé finalement qui reste en ville. Le cube est dans le fight. Fly qui revient peut-être, le dash le TP de Lindarang. Le TP de Lindarang également qui arrive tard. Lindarang qui va flash out finalement. Le follow-up des Generations Gaming. Lindarang qui arrivera pour tomber. 5 kills à 3 en faveur des Genji. Et le dragon. Et le dragon qui a été suicidé. C'est Rouleur qui l'a récupéré, le dragon d'ailleurs. 1-0-4 sur le Ezreal. Et par contre, on vient de prendre 2 kills sur le Nocturne. Là, on revoit hein, le burst massif, la hélice qui suspension, mais elle est plus très utile. On a un ulti Gangplank qui tombe. Et Lava, bon, qui a été très contrôlé. Qui a... oh, Rouleur, regarde, Rouleur qui est. Il a un garde du corps, c'est QV. QV et Haru qui sont restés à côté de Rouleur et qui ont cogné tous ceux qui passaient à proximité. Attention, un autre duel, l'ulti du chêne, c'est un Stand United. Du côté de qui? Haru qui va tenter de survivre, ça risque d'être difficile, il utilise sa traînée d'ombre, il passe sous la tour et finalement il sera récupéré par Lava. Un nouveau kill dans ce match qui s'emballe complètement, Gardoum. 9 kills en pas 14 minutes. Je m'attendais pas à ça de la part des Generation Gaming. La Sunfire qui est en cours du côté de QV et Sangwan. Il profite là un instant, on a tué le jungler adverse. C'est un héros de la faille instantané pendant ce temps-là. Comme d'habitude, je dirais la duo lane des Generation Gaming qui récupère petit à petit la troubotte. Juste dans le pur match-up, hein. Chaque fois c'est la même chose. Lindarang, on zone ce Mundo. Quelques machettes à esquiver, ça se passera bien pour eux. Nouvel objectif pour la Noa Life eSport. Il faut débloquer la tourelle, il faut qu'ils arrivent avec ce Heral à récupérer la first brick, sans quoi il la laisse OS. Ouais, cette bot lane, on continue de push, mais oh le TP carrément du côté de Fly. On veut assurer la première tour du match, c'était un fake, c'est pour permettre au duo bot de récupérer cette tour. Donc on est devant côté Generation Gaming, mais quelle assurance ça donne. Puisque là on a le Rodafai qui arrive, on a directement multi nocturne, c'est incroyable ce match, ça bouge tellement. On enchaîne et paf, un énorme smash de la part de Fly, c'est le kill sur Lava. Oh, on s'arrête pas, Generation Gaming 6 à 4 et cette fois-ci ulti Galio aura été pertinent. Haru qui ose aller dans la mêlée, Haru qui arrache d'ailleurs la dague dans le clé. Un petit peu plus de dégâts, même si l'ulti est un poil plus long à revenir. Ça doit matcher avec celui de Galio à peu de choses près. Quoique même pas, celui d'Haru, c'est quand même vachement plus court. C'est vrai que Galio, sur les derniers patchs, avait eu un nerf d'ailleurs au niveau du CD de son teammate. C'était sur le 8.11, il me semble. La Thermite qui est agressée, 50% de HP. Le Rolafai qui n'aura pas permis de débloquer un seul objectif direct. Non, mais Rouleur, les Mystic Shots. Juste après un transfert arcanique, et hop, on nettoie la vague le plus possible. C'est Sangwan qui, vraiment, j'ai l'impression, sert de totem à bait en Noa Life eSport. Il a pas beaucoup d'autres utilités maintenant. Bah, c'est compliqué en fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, la Elise, même si elle met un cocon, sur qui le cocon peut réellement être efficace? Haru. Parce que, ou Rouleur. Le problème c'est que mettre un cocon sur les deux, l'un a un transfert arcanique, l'autre un spell shield. Et derrière tout ça, tu as un time catch. Et il y a le time catch. Ouais, le choix de Elise est un petit peu étonnant. On voulait vraiment un jungler très early, mais ouais, Elise ça se paye. Hein. Elise ça se paye quand c'est pas bien dans un match. À la limite, tu pousses le cheese early jusqu'au bout, tu prends un Renekton top. Un truc qui permette avec la Elise. Ah, le fameux Renekton Elise du dive. Après Renekton, on n'en voit plus, mais. Peut-être Gragas, je sais pas. Tu sais, on en a vu bah, hier. Hier, je crois qu'un Necton était joué. Alors, je sais qu'il y a eu Lissandra. C'est possible. Lissandra, ouais. Aussi. Je crois qu'un Renekton a été joué hier. Ou peut-être dans le week-end.
de la Terre Mythe qui va être récupéré par la Noir Life Esports. Ça ira, le zoning de la part de Lava avec le stun. Ah, il manque plus qu'une autre attaque, mais la tour est vivante. Rouleur qui n'hésite pas. Il sait qu'il a la présence de son Tamken juste à côté. Et attention, ce push bot par contre, il est assez massif. Les Onwa Life Esports qui perdent beaucoup de farm sur cette bot lane. 17 HP restant et justement le dash n'a pas de rouleur. C'est Onguan où il n'y a plus d'ulti pour rouleur, mais rouleur qui pousse à la rupture les joueurs Onwa Life Esports. Et ces enchaînements de skill shot de partout. On tente des stuns, on tente du POC de chaque côté. Au passage, les stopwatch sont quand même là. Le prochain fight risque d'être assez drôle. Les stopwatch une, deux, trois stopwatch. Trois stopwatch, on a beaucoup de flash de disponibles. Seul celui de Lava est down côté de quatre stopwatch pour l'instant. Le Galio en a une également. Il vient quatre stopwatch, ouais, je crois qu'il l'a acheté maintenant. Ouais. Donc on a envie de faire quelque chose côté Genji. En même temps, c'est le moment. 18 minutes de jeu, Rouleur aura bientôt complété sa Muramana. Ils ont un Mundo qui est presque à deux items. Ils ont Galio Nocturne. Honnêtement, avec triple stopwatch, ils peuvent largement gagner un fight et snowball à partir de là. Ce serait dommage de ne pas en profiter, effectivement. Et on va prendre au minimum la Terre Mid, 37 abysses de Core GG et Rouleur qui arrive. Puis Ez, ça reste assez efficace en fait, avec les procs de retenue que tu peux faire, les boosts de vitesse d'attaque sur toi-même et sur tes alliés au niveau des tourelles. C'est un excellent pick. Meanwhile, top lane. Bon, ça va commencer à devenir dur de le tuer quand même, le Mundo. Ça, c'est un autre problème pour les Hornois. Comment on tue le Mundo? Enfin, on peut. Ça risque de prendre un peu de temps. Il faut de l'anti-heal aussi, si possible. Il y a qui qui a un Ignite. Oh, le stun est bien! Il est bien ce stun de Lava, on enchaîne sur Core GG, on enchaîne, on veut le chercher, on a un ulti du chien également qui est tombé, c'est directement, c'est un 5v5 qui s'engage, l'ulti du Galio, on se repositionne de chaque côté, mais les Onwa Life Esports ont perdu Lava, Lindarang a pris beaucoup de dégâts, c'est Onguan qui va tomber également face au pack, Génération Gaming, difficile de créer une bonne situation pour tous ces briseurs un peu Onwa Life Esports. Deux morts côté en noir, un seul chez une Génération Gaming. Ça se dive potentiellement. Salindarang qui n'a plus de HP. Fly peut-être. Retourne, ça ne passera pas. Mais qui va mourir là-dessus? Il y avait un flash disponible là pour aller chercher Lindarang qui s'est sacrifié complètement. C'est une nouvelle tourelle pour les Génération Gaming. Elle est là, cette accélération dont on parlait côté Genji. J'ai pas pu compter le nombre de stopwatch. Et en fait, seul le Nocturne a utilisé la sienne du côté Genji. Que celle du Noc. Effectivement. Alors on va revoir le fight parce que c'est venu d'un pic non attendu. Et là, Core GG, bon bah voilà, la magie de Tamkage. L'ulti du Gangplank au passage, pas terrible hein. Bah il est pas incroyable, il bloque juste le retour du tué dans le fight. Mais tu vois, il était de base au milieu de la team, du coup il avait pas besoin de plus. Et là vraiment Lava, quand il se dit ok il faut que je recule, il y a un ulti du Galio, il est directement repris de voler par un ulti nocturne. Et derrière c'est Onguan, bon bah qui s'est un peu perdu, qui a tenté de faire la hélice de team fight. C'est à dire, tu tentes de faire des trucs mais tu n'y arrives pas trop. Je suis pas convaincu moi du pick Elise. Hein. Pas dans une draft comme ça où ta draft c'est on catch quelqu'un et on le tue. Mais qui tu veux catch? Là il y a personne justement à aller attraper qui se baladerait seul. C'est avec trois lanes aussi fortes, top, mid et support en l'occurrence, c'est compliqué. C'est compliqué, voire impossible hein, bien évidemment, sauf le cas d'erreur grossière des Generation Gaming. Prochain dragon élémentaire, un dragon infernal. Oh, belle tentative de rouleur ici de s'utiliser le buff. Il a un très bon farm aussi, on l'a en 220 CS, 20 minutes de jeu. On est sur une valeur sûre. En tout cas, côté Génération Gaming, maintenant on est bien lancé. Et honnêtement, avec un tel avantage, le Galio Nocturne devient quasiment impossible à gérer. La stopwatch est quasiment le seul recours en fait. Le problème c'est que t'en as qu'une et après faut investir dans un Zhonya. Tu veux pas investir dans un Zhonya quand tu es Gangplank? Pas pour le moment. Même pas en fin de game. Il a encore sa stopwatch. Mais il a déjà une lame du bourreau par contre. Ça de gérer un petit peu mieux QV. Je me demande si c'est pas un peu tard. Et si quitte à vouloir gérer QV, tu le fais pas plutôt dans la partie. Parce que là, la lame du bourreau, certes, QV va moins tanker à lui seul. Mais on a Fly qui peut venir en backup. On a Core GG pareil. Ah, c'est des phases de jeu un petit peu compliquées pour la Noël of Esport. Pour moi, en termes de teamfight, ils sont pas forcément devant les adversaires. Leur teamfight, globalement, c'est Lindarang qui serait free DPS et Lava aussi.
Sauf qu'en face, chaque joueur des Generation Gaming peuvent les bloquer. Maintenant, on va commencer à vraiment jouer autour du baron en côté Generation Gaming. L'avance est confortable. On les sent en position de remporter la rencontre, vraiment. Chouvé, on ne peut plus rien faire. Mundo, avant niveau 11, ça va. Une fois qu'il est niveau 11, qu'il a son tir en 2 et le Spirit Visage, c'est là où... Bah, tu sais que s'il ne veut pas mourir, le Mundo, il ne mourra pas. Quoi. Tu viens à 3-4 sur lui. Comme il réduit en plus la durée des CC avec son immolation, c'est pas un pick qui est très inquiété. D'ailleurs, dans cette game, il aurait aussi potentiellement pu faire des Mercuries pour essayer de gérer ça. Attention, rouleur ici qui met une grosse pression à Lindarang. Il a un ult ? Bah ouais. Allez, oh, ça passe pas. Lindarang qui se colle bien au mur. Attention, le TP. Le TP, c'est Lava ? Lava et Sangyun. Hein. Lava et Sangyun, s'il vous plaît, mes rouleurs à... Juste un transfert arcanique. Il baye 2 TP, un ulti. Ça va pour un E pour qui a moins de 10 secondes de cooldown. Oh, complètement. Oh. Ouf, l'auto. C'était bien tenté. Et pouf, l'auto-attaque. Les dégâts de cette auto-attaque. Complètement insane. QV qui prend la télé sur la bot lane, sur la top lane, c'est Ruler qui va récupérer la première tourelle. Et on continue d'accroître cet écart de gold. 8000 gold de l'avance quasiment maintenant pour les Generation Gaming. 7005 exactement. Ouais, oh, là on est en place pour prendre le baron hein, côté Generation Gaming. Ils ont peut-être pas assez de. Ils ont une pique dans l'enclos, ouais, il me semble. Non. Si. Ouais, il y a une pique. Si, il y a une pique. Ouais. Là, normalement, ils peuvent le faire. Hein. Un petit bait, un ulti nocturne, un ulti galio et le match est quasiment plié. Mais loin de forcer, ils veulent rester ultra ultra safe évidemment. Ah, là-bas. Le clear du Nirelia, c'est tellement beau. C'est le Jean Sasuke en toi qui parle. C'est ça. Il faut respecter Jean Sasuke, voyons. C'est celui qui joue plus avec ses touches de clavier qu'avec son cerveau. Oh, le TP directement mid. Ça va être dur de la garder quand même celle-là. Ce qu'on peut faire tout de même, la tour qui n'avait plus que 17 points de vie depuis une dizaine de minutes tout de même. Qui reste défendu, l'arrivée de QV sur le côté, Fly qui n'est pas très loin non plus. Le stun qui ne touchera pas, QV est-ce qu'on va continuer? On abandonne le chase. On maintient par contre évidemment toujours la pression, les stacks de Kleptomancie. Il prend vraiment pas grand chose ce Mundo. Naru qui se présente au niveau du raid, ils ont envie d'y aller, les Generation Gaming. Rouleur met tellement de dégâts. Rouleur qui enchaîne, qui évitera ce stun. Oh, attention, c'est lancé. C'est envoyé directement. L'entrée héroïque du Galio qui arrive un petit peu derrière, mais c'est amplement suffisant. Ça tire là qui tombe. Lava s'en suivra qui, bien sûr, sous les dégâts de QV. Le bulldozer, tout simplement, Gardoum. Et le flash out du côté de Seongwan. Le bulldozer, Generation Gaming, est en place. Il est matérialisé par ce Mundo et Rouleur aussi, qui fait toujours le spectacle. Il a Jejuk de folie, son Ezreal est inarrêtable, il semblerait, et c'est le Baron Nashor. Mais ils sont tellement forts, les Generation Gaming, dans une game comme ça. Et c'est aussi l'avantage quand tu as une duo lane qui gagne en 2v2 pur. Tu peux jouer sur le reste de la map si tu veux avec ton jungler. Tu peux free farm, tu peux te concentrer sur le counter jungling. On l'a vu dès le début de la partie, Yaru il s'est permis d'aller choper le groupe adverse parce qu'il y avait Korg GG derrière et Fly aussi avait décalé. Ouais, c'est une équipe qui a une duo lane au minimum aussi forte. On perd pas si facilement. Et je me demande si l'ultimate d'ailleurs de la part de Fly n'était pas un peu early. Parce qu'il le fait avant l'atterrissage de Haru et du coup il se retrouve même pas dans le couloir. Ouais. Bon, qu'importe, hein, ils gagnent leur fight. Et quand j'ai vu les trois joueurs courir dans le sens de leur tour et tous perdre 80% de leur point de vie, je me suis d'accord. Bon, ça m'a vraiment l'air fini. Quelles seraient les possibilités d'un noir? Même si tant pour la game longtemps en fait, ils ont certes GP, Ryze, Irelia, mais en face t'as juste un Mundo. T'as Mundo, le S maintenant qui devient late game avec son mid double tir. Galio qui reste ultra efficace dans tous les cas. Et en fait, côté Anoa, si tu veux survivre, t'es obligé de prendre un petit peu de tankiness. Sauf que si tu prends la tankiness, tu sacrifies tes dégâts. Mais face à Roo, t'as pas le choix. Du coup, petit à petit, tu retardes ton stuff. C'est un peu comme un Malzar qui te force à prendre QSS, ça retarde ton stuff via l'achat de l'item. Oh, c'est Seongwan!
qui va y passer. Rouleur. Attends, il était full life. Ah ouais, Rouleur, bah il a juste dash. Oh. BOTRK, un Q-spell, une auto, deux autos et c'est terminé. Oh, c'est terrible. Là, t'es 3000 lane qui tombe gratuitement. Peut peut-être aller au bout, hein, honnêtement. Ils ont de quoi dive. Oh, 5v4, il y a encore l'ultimate de Mundo, il est niveau 16. Ça se fait facilement, voilà. QV tank la tourelle. Ce n'est strictement rien. Le canon de barrage de Linda pour essayer de sauver ça. La paranoïa qui a été envoyée. Est-ce qu'on saute dans le tas pour Haru? Haru patient. Et Haru qui va sauter directement sur qui se fait éclater tout simplement. La deuxième T4, l'entrée héroïque de la part du Galio. On continue le fight, même si ça ne touchera personne. Pas de buff. Le Nexus, lui, va tomber en faveur des Generation Gaming. Oh là là, ça a été très efficace en mid-game côté Generation Gaming qui remporte leur quatrième BO. C'est quatrième BO pour l'instant dans ce Summer Split de la LCK. Ils sont toujours invaincus. Ça rappelle un peu leur début du Spring Split. On espère qu'ils pourront poursuivre sur cette tendance et ne pas connaître le slump qu'ils avaient eu au Spring. Pour l'instant, c'est vraiment hyper, hyper fort. Et Rouleur n'a toujours pas joué autre chose qu'un ADC. Bah non, mais c'est pour ça que son annonce était tellement... C'était coquille, mais en même temps, il le respecte. Et on peut encore jouer ADC si on est assez bon. Oui. Et il le prouve non-stop. Rouleur, il est juste incroyable sur ses AD range, notamment son S. Mais le S Tamkench, je crois que je les ai jamais vus perdre leur duo lane en direct. Peu importe le match-up, ils gagnent, c'est pas grave. Ils ont peur de rien. Après, le S va être nerf légèrement 8.12 au niveau du passif et perd 3 points d'armure aussi en early game. Bon, je ne sais pas si ça changera grand chose sur le personnage. Mais en tout cas, pour le moment, c'est un spectacle qui est proposé par le carry AD des Generation Gaming. Qui tout de même n'ont pas gagné en 2-0 comme j'aurais cru, mais ça fait un 2-1. Non, mais bon, elle était pas mal cette Super Kai'Sa quand même. Elle était sympa cette Super Kai'Sa de la part des Hanwha. Ah, ils ont su trouver la bonne strat. Eh oui. Et bon, les Hanwha qui du coup passent à 2-2 pour l'instant dans cette LCK Summer 2018. Ils deviennent du coup plus 2 à égalité avec les Kingzone Dragon X. Tout à fait, mais avec une gamme de plus, enfin un BO de plus. Ouais. Donc bon, Kingzone aura quand même les moyens de repasser devant. Les matchs de demain, on aura un superbe Kingzone contre Africa Freaks. Ça va être tellement bien ce BO. Et un BBQ Olivers contre KT Rollster. Bah, le premier BO, il envoie du lourd. Les Kingzone qui ont déjà dit, notamment Prey, Africa est peut-être l'équipe la plus difficile à affronter sur ce patch dans ce début de saison. Et Rouleur, bon, toujours avec des montants de dégâts multipliés par beaucoup par rapport à ses adversaires. Bon, il a dit que c'était l'équipe la plus dure à affronter, sachant qu'ils ont déjà perdu les Kingzone face aux Generation Gaming. Ouais. Non, mais Africa, ils sont vraiment, vraiment bouillants. Et ça ressemble limite beaucoup à leur. C'est leur playstyle de base. Ouais, match. quasiment. Ce côté surprise, exotisme sur beaucoup de picks. C'est des joueurs qui jouent beaucoup de champions, qui s'entraînent énormément. Et le MVP. Bon, Rouleur. C'est Rouleur, bien sûr. Ah, Rouleur, mais avec une image de Tamkench. Tout à fait. Alors, on sait pas vraiment si Rouleur ou Core GG. Tout indique Core GG, mais le nom est affiché Rouleur. C'est un mélange des deux. C'est à la fois Core GG et à la fois Rouleur qui gagne. Les deux ensemble, hein, c'est vraiment la meilleure duo lane du monde, je pense, actuellement. Avec. Mais du coup, je sais pas. Ming qui... et Uzi. Je sais pas qui est le MVP du coup, c'est Core GG ou c'est Rouleur. Bah, Rouleur. Enfin, non, c'est Core GG. Bah, mais il y avait écrit Rouleur. C'est pour ça que je disais que c'était bizarre, c'est qu'il y avait écrit Rouleur. Ah ouais, mais il y avait tous les stades de Core GG. Il y avait tous les stades de Core GG. Tamkench et tout. Du coup. Rouleur GG, comme on dit dans le chat. Bon, dans les deux cas, de toute façon, c'est du Olay. Là, j'aurais été curieux de voir au MSI Core GG Rouleur contre Udziming. Ça aurait été assez propre. Ah ouais. Je suis plutôt d'accord. Avec la forme qu'il montre actuellement. Oui. Bah, si ça se trouve, on retrouvera tout ce petit monde là, Worlds, hein, il faut voir. Il y a de grandes chances quand même. Il y a de grandes chances. Ce serait triste que les champions du monde ne se retrouvent même pas au World l'année suivante. Et les teamfights, hein. QV,
Le Mundo pique extrêmement fort. Et on le voit finalement, on commence à revoir ces teams qui ont plusieurs piques, à la fois qui font des dégâts, qui tankent beaucoup. Bah, c'est des teams quasi intombables. C'était bien Core GG. Oui. Franchement, pourquoi pas, son Time Catch est tellement godlike. Hein. Et on va... On va se laisser pour une interview, bien sûr, Core GG et Rouleur, la duo lane des générations gaming qui passe en interview. On se laisse ici, rendez-vous demain à 10h pour le Africa Freeze contre Kingzone Dragonix. C'est fini pour ce mercredi. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain. Today, after today's performances, and it must have been exhausted after that one. How do you feel? I mean, the second game, we never played against Kai'Sa and Braum in the recent practice, and it just really caught us off guard. And we know that a lot of unique picks does come through, and you have to be ready for anything, but if we express your difficulty with that pick. Yeah. You know, a lot of people do like that Kai'Sa pick just because it kind of relates back to the what we used to have in the meta with the actual range champions playing the ADC position. What do we feel about, especially with Core JJ, when you do see new things like that, what comes when new things come up, before the games begin, it would like to see, sometimes they go to ADC role, that's fine, but sometimes they relate back to mid lane or top lane or something, so just can never know until the game actually begins. In the last time around, you did it, said in an interview that you wanted to represent Korea well as the national ADC. Did not feel the pressure coming in today. If I play bad, then that would kind of relate back against me. For what I said during that interview, so I'll try to make sure I play the best. And let's look at some of the Korean national representative play here from Rulers ADC. And wow, just gone just like that. And I was just trusting on Tom Kench and putting the damage on because I knew Tom Kench would be in the front protecting me. Now, of course, I had to avoid the skill shots from the opponents, but at the same time, I knew the protection with Tom Kench was there, so really, I felt safe to go in on that one. It really is. You guys are doing so well. Just really just taking up Ruler whenever he gets in trouble. And the question does come up, how many times have you eaten Ruler? I mean, we were from 2016. From 3 years, I've been eating him quite a lot. So the senses do come to the tongue every now and then. So. And you still allow the Ruler to put out the carry role, especially with the Ezreal we saw today, and thought that, you know, Ezreal would be bad, and I feel like you guys felt like the Ezreal would come through as a must-win pick here. I mean, just for the composition, it sometimes does fit well, but the composition we brought and against the other team, it looked pretty good to pick the Ezreal every single time. And you guys were more probably put to the kind of the regulation and game two, something like that comes from Hanwha. I mean, man, that looks fun. I mean, the Kai'Sa putting that out there, I really want to try to play that. But I knew the set 3 was really important, that we had to get the win, so we just went with what we knew. I mean, you go with the Kai'Sa comp or whatever regular comp you know. What is the kind of the opinion on that, Core JJ? I mean, you have to be, I have to be the one that's protecting my teammates, and it just allows me to, it doesn't allow me to do that when I get with unique comps like that. Right now, we just don't know the end of things because things have been progressing quite late.
lately, and Genji has been on a struggle when we were reaching the end of spring in the previous split. We felt like the communication, that was kind of the big thing that was emphasized upon you guys when it came upon. But we knew that, you know, the Asian Games are coming up, and we do have, once again, a communication thing that you guys have to overcome between new members that you had to work with. Well, that's for me personally. I don't really worry too much, but I just want to become champion, and I think that's the only thing, the only mindset I'm going with when I'm going to that national tournament. What about Coach JJ? I think it really comes to my heart a bit. And the fact that when I get represented into the Asian Games, I get that responsibility that I have to play well. And something that has changed, I've been thinking about it quite a bit. And the fact that if I can do well, if I can do prove well for myself, then and to others, I think that allows me to improve individually as well. I mean, what was kind of the intention and some of the things that you really brought on the table? We know that, you know, a lot of people that already plays that didn't come out today, we know that those players are already able and already capable of doing great things, so it really wasn't needed for them to, you know, make sure they get the win, so it's definitely understandable. For Genji, you were talking about doing so well, but going into game 3 now, we're going to look at another video highlight here. Just whenever a team fight opens up, you know, automatic swallow up of ruler does happen, and just allows him once again good spacing for Ezreal to get the plays in. Really, a ruler having the best time in the world. I mean, I know I like putting in the damage, so, you know, whenever Cool JJ allows me to do that, I'm happy with that. I mean, support, you have to get that done. Now, I try to make sure I stay alive, but, you know, sometimes it becomes a little bit difficult, so a game of inches. I think he was just trying to go for the kill steal, to be honest. Cool JJ was trying to go for the kill steal, that's kind of the speculation here by Ruler. We saw the new player that came in, and with Cube, we thought that, you know, really just saw how he couldn't do well, but especially with Cube, you feel like the value of Cube kind of goes down with that. Would you like to give him any compliments, even though he did lose? I mean, that we're really having questions upon. I think, you know, we were trying to make sure we put some energy into top lane, so whenever he came to the waiting room, and he told us that, you know, you shouldn't have let me out, you know, you should have made me stay in the bench and let me enjoy my time. But I think the team morale is pretty good, so, you know, we can make jokes like that and to make sure that we're all feeling happy about ourselves. I'm sure he was just thinking that you guys wanted a quick win there. And he was really having a fun time because he was just laughing along and just having a jolly good time as well. I mean, he was a great cheerleader. I mean, just gotta give it to him, and everything that he's done well so far today has helped us win the game today. Cool JJ, you're approaching your birthday very soon. It's gonna be 2 days from now. And of course, as a pro gamer, anything that you wanna make a birthday wish in terms of, you know, what you wanna accomplish as a in your professional career. I really haven't thought about my birthdays for multiple years, and it doesn't really come to me that hard, but something that I want to do is that I want to perhaps win some LCK title that I haven't really gazed upon, so something that I would like to get done there. And hopefully we get that from Genji pretty well. This is the ADC and support, not only of Genji, but it's going to be of the Korean national team. And of course, would you like to say anything to the fans with the win you got today? Thank you guys for, you know, staying out this late to watch the games, and
I know that, you know, some people are watching from home as well, but I'd like to tell them thank you as well. And we just continue to ask for your support. So it's a national support. Would you like to say something? I mean, at the first part of the season, we're doing well, but this is always the kind of the toughest part for us in the mid parts of the season, and I feel like we have to work harder from here on, and maybe it just becomes a better team. And everyone's working hard for it, so definitely you can keep our trust with us that we're gonna just really come out of the bubbles and show you guys a good performance from our team. And hoping that that motivation and also this attitude that these guys have on the Genji team will continue on with this victory from the bot duo with Genji. And that's gonna be the end of the interview. Send it back to you guys for the rest of the podcast here. Thank you very much, Joel. I know it's been a late night for you, but thank you for all of your translating help with all of the mid-game interviews, with all of the post-game interviews as well. But in the end, it's going to be a Gen G victory after our